off the rails. Don't you know it's time to raise our sails? It's freedom like you never knew. Any bags or a pass, say a word, I'll be there in a flash. You could say my hat is off to you. Bonsoir à tous les écouteurs, heureux peut-être pour certains. C'est moi. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va toujours. Moi ça va. Moi ça va. Je me suis rendu compte que j'ai remis le même t-shirt qu'hier pour stream. C'est parce qu'en fait c'est mon t-shirt que j'ai utilisé comme pyjama hier, je l'ai pas mis très longtemps. Vu que, voilà, je me suis dit, je le remets. C'est juste pour dissiper tout soupçon au cas où. Même si en vrai, on s'en bat les couilles. Mais c'est juste que, voilà. Je m'en suis rendu compte en regardant la rediffusion. Enfin, dans un copier-coller du Let's Play Wither Evolution d'hier, que j'avais le même t-shirt. Et c'est parce que ça arrive rarement. Voilà, je le dis juste comme ça. Juste pour meubler un peu la conversation. Enfin bref, du coup, on va continuer Wither Evolution. Tous ensemble. On va jouer la bonne humeur. C'est le mot pour ce jeu. Let's go.
On était déjà à l'acte 2, jour 12, sachant que je crois que l'acte 1 s'est fini au jour 21. Je ne sais pas s'il nous restera beaucoup de live, peut-être 2-3 après celui-ci. On verra. À chaque fois, je parle de live qui pourrait rester pour un jeu, c'est pour, surtout pour moi m'organiser après. Donc là, on allait sauver, pas Danton du jeu, mais du Danton du coup, pardon. Mais l'autre... comment il s'appelle? Je sais plus. Hébert, voilà. L'accusé qui se tient devant vous aujourd'hui est Jacques Hébert. Tu le connais peut-être pour ses publications dans son journal Le Père du Chêne, où il a révélé et critiqué les méfaits des politiciens, des aristocrates et du clergé. Aujourd'hui, c'est lui qui est accusé de détournement de fonds publics, de trahison et d'incitation à la violence. Nous connaissons tous l'histoire de la pauvreté qu'a connue Hébert avant la Révolution. Ses possessions sont maintenant étonnamment grandies, ce qui est prouvé par son mode de vie luxueux. Nous n'avons pu déterminer la source de ces richesses illégales, mais comme vous le savez, le citoyen Robespierre a fait pression sur nous. Ensuite viennent les accusations de trahison et d'incitation à la rébellion de masse. Sur ce sujet, les preuves ont été plus faciles à fournir. Robespierre a porté une grande attention au journal de Hébert et cause de ses attaques intransigeantes, envers les députés de la Convention. Il les a accusés de corruption, de trahison et même de meurtre. Mais le langage utilisé suggérait que les sources n'étaient la plupart du temps que des rumeurs ou des suppositions masquées par l'écriture vulgaire qu'il utilisait afin de rendre ses écrits attirants pour les ignares. L'accusé a souvent déclaré que ses articles présentaient le point de vue de la Commune de Paris qui, comme nous le savons, est majoritairement composée de personnes incapables de lire et d'écrire correctement. Il est donc plus probable que de cette façon, il les ait manipulés afin d'atteindre ses propres objectifs. Il a alimenté leur agitation afin de garder sous sa coupe ceux qui auraient pu se retourner contre lui. Nous savons bien de quoi est capable une foule si on l'encourage. Les membres de la commune sont aussi fébriles depuis un certain temps car la vie à Paris est maintenant devenue calme. La justice prévaut et il n'est plus nécessaire d'attraper des passants au hasard pour mettre leur tête au bout d'une pique. Les actions récentes de Hébert qui, avec Danton, défie Robespierre, semblent confirmer que l'agressivité de l'accusé a un objectif politique. Si c'est le cas, nous devons nous demander pourquoi il est prêt à sacrifier le bien de la France pour servir ses propres intérêts. Et pourquoi il s'attaque à un grand homme d'État comme Robespierre. Voilà d'où vient l'accusation de trahison. Alors, carnet, je regarde un petit peu. Juste, petit contrôle. Pour voir. Ok, alors dans les deux cas, on est dans la merde. Hein. Ça sera soit les gens du peuple, soit les... Ah, pas les bourgeois, mais les aristocrates, voilà. Qui voudront mon cul. Je t'en prie de te présenter, citoyen. Quel culot, espèce de traître. Cesse immédiatement d'employer ce ton. Je veux que tout le monde sache que moi, Jacques Hébert, j'ai été trahi. Au moins, nous avons maintenant ton nom. Je vais chercher à te disculper, mec. Train de vie dispendieux. Ça a été de... Voilà. Trahison. Contre-révolution. Ces attaques auraient un but politique mobile. Tendance à provoquer des troubles. Mode opératoire. Cet accord est un but politique. Mode opératoire. Vulgarité des articles. Mode opératoire. C'est un sans faute, hein. Wesh. Où as-tu obtenu l'argent qui t'a permis de mener un train de vie aussi somptueux? Somptueux, c'est uniquement lorsqu'on le compare à ma pauvreté passée que cela donne une telle impression. Une bonne excuse, mais tu t'habilles et tu manges mieux que les gens ordinaires, et on te voit souvent en compagnie de dignitaires. N'est-ce pas là le but de la révolution? Que les pauvres puissent vivre dignement? J'ai été extrêmement pauvre par le passé. Le citoyen Robespierre t'accuse d'avoir volé l'argent ou de l'avoir reçu de puissances étrangères. Et où est Robespierre, hein? Il est bien tranquille à l'hôtel de ville, entouré par ses assassins et laquais, occupé à terroriser la ville. Il lance vraiment les accusations les plus idiotes. Mais tu admets avoir par le passé détourné de l'argent public quand tu travaillais dans un théâtre. J'ai payé pour cela depuis bien longtemps, je me suis converti et j'ai abandonné les péchés de ma jeunesse. Quel pays t'a donné l'ordre de provoquer des violences populaires? Aucun, je ne sers que la France. Mais une attaque ouverte de Robespierre alors que les gens meurent de faim dans les rues, cela peut difficilement être interprété comme étant pour le bien de ton pays.
C'est à cause de Robespierre que les gens meurent de faim, et de plus, vous m'avez soutenu dans cette attaque. Pour le bien de la France. Vous voyez, bande de scélérats, vous chantez tous les mêmes refrains que moi, quand on vous y pousse. Je suis coupable, alors vous n'êtes que des enfants du démon. Ok, alors. Non. Est-ce que son acte était de nature contre-révolutionnaire? Bah oui. Comment le prévenu explique-t-il son somptueux train de vie? Il estime qu'il n'était pas somptueux, il affirme que les bénéfices du journal n'est pas somptueux. Qui était l'électorat visé par les articles provocateurs? Quiconque voulant bien les lire. Ok, alors j'ai l'impression que ça va être une décision ultra importante pour la suite. Hein. Mais bon. Ivre, Mathieu Bouillet a tenté de soudoyer un officier de la garde avec 8 francs. Le fils du comte Bouillet a été arrêté en pleine nuit dans les rues de Paris alors qu'il cognait aux portes et chantait à tue-tête « Réveillant un ciel et rêve. » On le relâche. Ça ne compte pas. Lieutenant de la garde nationale a accepté un pot de vin sous la forme d'un élément en or de la part de Gauthier. Ce dernier a été arrêté pour conduite en état d'ivresse et agression d'un autre cocher avec lequel il s'était disputé dans la rue. Voilà. Peintre talentueux contrefait d'étoiles célèbres pour les vendre à haut prix à des clients naïfs. Lorsqu'un de ses apprentis réclamait une augmentation en menaçant de dévoiler la supercherie, Poulain recrutait un certain Yves Jeannin pour l'assassiner. Ah, j'aurais dû le tuer, lui. Bon. Hébert est innocent, je ne vois là aucune preuve de ses crimes. La raison a triomphé. Robespierre va nous tuer. Ils sont tous de mèche pour s'acquitter comme ça. J'ai pas mis ma main devant moi, c'est pas grave. Ouais, ça va chier là. Je vais soutenir la construction de la statue, hein. Je suis désolé, il faut que je gagne un bonus. Je sais même pas de voir à qui je peux faire plaisir. Ok, je peux rien faire de plus. 12%. Pff. Je crois que ça va augmenter là du coup. Ça c'est demain. Allez. Allons-y. Hein. Nous avons seulement quelques affaires mineures à traiter aujourd'hui. Allez. Fabricant de jouets en bois a agressé un de ses revendeurs avec une tige en métal pour juger les efforts commerciaux de Dieu. Il s'agit sans doute de motifs de crime. Voilà. Grâce à un informateur anonyme, nous avons découvert que on cherchait à persuader des mauvais esprits de renverser le nouveau gouvernement parmi les objets suspects. Trouver chez eux, figurer les rives, les yeux en langue inconnue. Un voleur qui venait de voler une caisse chez un pâtissier, d'ailleurs, c'est justifié en rappelant qu'il avait été blessé au genou par une flèche dans sa jeunesse. Alors qu'il se promenait à cheval, ça m'énerve ça. De nuit, dans Paris, Amaury Jacou fut arrêté par une patrouille de la garde qui remarqua qu'il tenait difficilement en selle. Il s'avère qu'il était ivre au dernier degré. Si le cheval eût été pris de frayeur, Jacou n'aurait pas été en mesure de le maîtriser. Change rien. Tandis que ses hommes se préparaient à la bataille, le général Pierre Geoffrey est allé rendre visite à sa maîtresse dans sa tente, précisant qu'ils furent surpris en plein débat intime et entourés de mets délicats si rares en temps de guerre que même les officiers n'y ont pas. Allez, on le libère. On n'est plus en danger de mort normalement.
Les restaurants restaurateurs, pardon, servaient trompeusement à leurs clients du filet mignon qui s'est révélé être de la viande de porc de basse qualité pour masquer le goût. Ils assaisonnaient leur plat de sauce et d'épices médiocres. Ok, bon, on arrive à... On a retrouvé un équilibre, pas ouf, mais on a un équilibre. Oui, pas besoin de la justice. Blablabla. Très bien. J'ai peur de sortir en plus d'aller au tripot, j'y vais jamais, mais... Mais ça me fait un peu peur parce que je me dis que c'est pas le moment de sortir. Le monde me fera un peu la gueule encore un peu plus, c'est pas grave. Oui, toi, il faut qu'on redevienne bro. Alors. C'est la merde, hein. Commencer la persuasion n'était qu'un simple malentendu. Même que vous avez arrêté de travailler pour moi, c'est un crime contre la révolution. Il ferait mieux de chercher de vrais criminels. Les os, c'est de la merde. Alors. Heureux que c'était vous et non pas d'autres jeunes gens. Avis d'avancer dans les rangs de la garde, nous allons résoudre ce malentendu immédiatement. Vous allez faire disparaître tout ça, n'est-ce pas, votre honneur? Absurde, votre prisonnier travaille en fait pour moi. Et merde. Mité. Si vous ne le libérez pas, je devrais vous accuser de trahison. Ne le prenez pas personnellement, mais je dois protéger la République. Ok, ça va de moi dans moi bien. Votre travail est important pour la République, cette erreur ne change rien, vous avez tout mon soutien dans votre mission, n'oubliez pas. Mais bon, le garder, hein. Bah, au revoir. Désolé, mec. Complot, bah... De toute façon, je peux rien faire d'autre, lui, il est bloqué. Lui, il est blessé. Peux rien faire, de toute façon. Bon bah, complot. Fuite dans Rio. Le vieux renard est malheureusement parvenu à s'échapper à ses chasseurs. D'après mes sources, il cherche des membres de communes de Paris prêts à rejoindre une intervention armée contre vous. Il y parviendra sûrement étant donné qu'il vous a convaincu que par le passé de le soutenir. Vous devez réagir et contrecarrer ses plans. Comme tout le monde, les dirigeants de la commune ont envie de pouvoir laisser David promettre de grandes carrières à certains une fois Robespierre renversé. Vous devez faire passer à tabac chacun des membres éminents de la commune. Sans eux, Henriot ne pourra pas réunir finalement de gens. Si Ramel dispose de quelque chose dans les membres de la commune, c'est maintenant qu'il devrait s'en servir pour faire chanter ceux qui... vas-y, la force. 40%, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est vraiment pas ouf. Citizens, deputies. Je regarde un truc, 2 secondes. Je vais voir combien il y a d'actes. Tac, tac, tac. Il y a bien 3 actes. Je vais regarder combien il y a de jours par acte. Parce que ça se trouve que je m'organise vraiment pour le planning en fait. Ok.
regarde. Acte 3. Ok, d'accord. Bah, c'est peut-être la dernière fois qu'on y joue ce soir, hein, en fait. Heureusement que j'ai pas prévu d'autres lives dessus dans la semaine. On a l'air de s'approcher de la fin. On va voir. Robespierre est un chien enragé. Il s'est laissé emporter par la terreur. Robespierre prend part à une conjuration d'aristocrates. Henri enlève pour lui une armée. Pour son propre salut. Robespierre has lost touch with Robespierre n'a plus le reality. sens des réalités. If S'il he était was un an homme d'honneur, honorable il se man, livrerait. he would turn Il himself se into the livrerait, mais authorities. ce n'est qu'un chien But enragé, prêt à he's se a défendre rabid coûte que dog, coûte, tout à ready souffrance to qu'il cause defend chez les himself at citoyens. all costs. Ses And concitoyens l'indiffèrent. You both are like rabid Vous êtes dogs. tous deux des One chiens enragés, push et le is moindre enough geste to make suffit you à vous faire bark aboyer and et grogner. We cannot lose the national Nous ne pouvons pas perdre convention. la Convention nationale. And that's what C'est will pourtant ce qui happen se produira si Robespierre if continue à Robespierre terroriser Paris. will continue to terrorize Tôt ou tard, Paris. vous vous opposerez à lui et Sooner or connaîtrez le later, sort de you Danton will et Hébert. defy him. We all make mistakes. Nous Robespierre is commettons no tous different. des erreurs, Robespierre ne We fait pas can exception. still turn him. Nous pouvons encore le faire s'amender. Who do you want to spare? Qui voulez-vous épargner? Un traître? Robespierre a conclu un pacte avec Clément Renard, le chef de la conjuration royaliste au cœur de mes enquêtes. Il cherche à rétablir la monarchie en France. Tenez-vous encore à le sauver, pauvre fou. Pendant que nous sommes ici à converser douillement autour d'une bonne bouteille d'Oriot, recrute des gens de la commune pour défendre l'hôtel de ville de Robespierre. Et pourquoi ne pas commencer une patrie de partie de dés tant qu'on y est? Putain, j'ai du mal à lire. Il n'y a qu'un sourd pour ne pas s'apercevoir que l'armée prépare une attaque contre la Convention. Les députés doivent défendre leur précieuse position. Même si Robespierre était une canaille, ce n'est pas une raison suffisante pour le condamner à mort. Il y a du doute, ça va. Let's go. They are coming. Bon, je m'en doutais que ça allait faire ça. Alors, un tir de suppression pour commencer. Putain, ils ont des canons. J'en ai un aussi. Ok. Ok. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est très bien. On repart sur un tir de suppression. Ça c'est fait. Visible. De toute façon, là, il faut que je reste en mode tour de, en mode tir de suppression. Hein. C'est ma meilleure, meilleure strat, j'ai l'impression. Mon canon il tire plus. Bizarre. Si je pars en assaut frontal. Ouais, c'est bon, on est bon.
J'aurais dû faire ça avant. Oui, d'accord. J'aurais vraiment dû faire ça avant. You lost Robespierre. The revolution has turned out to be too much for you. Bon, on va tuer Robespierre. Donc de ce que j'ai compris, Danton, il est mort, hein, pardon. Puisqu'on a choisi de sauver... Hébert. Cher Alexis, je ne supporte plus le fardeau d'un péché que j'ai commis par mégarde. Je dois te l'avouer, Alexis, j'ai concouru à la mort du petit Frédéric. Des hommes sont venus me dire que mon fils unique, avait été surpris en train de déserter et qu'il allait être exécuté d'un jour à l'autre. Mais ayant présenté des preuves, ils me promirent qu'ils seraient libérés si je leur décrivais en détail les habitudes de ta famille et tes opinions. Je leur ai fourni des renseignements qui me paraissaient anodins, mais qui servaient leur funeste destin. Ce n'est pas ce que je voulais. Je n'ai jamais tué qui que ce soit. Ce sont eux les meurtriers, et pourtant la culpabilité me hante. Je ne puis continuer à vivre ainsi, en ta présence, en feignant que rien ne s'est produit. J'ose à peine espérer que tu me pardonneras un jour, que tu comprennes qu'on m'a dupé. J'ai toujours été ton ami fidèle. Adieu, Raymond Desvoyers. Ah oui, d'accord. Ah, c'est ton foireau là qui... Ok. Nous l'avons, monsieur le juge, nous avons Robespierre. Nous pouvons enfin le juger pour la terreur qu'il nous a fait subir. Pour toutes les accusations de trahison, pour cette tendance dictatoriale. C'est dur, hein. Vraiment lire en fin de soirée comme ça. À une époque où le nouveau gouvernement était empli de personnalités corrompues, il a obtenu le surnom d'incorruptible. Cependant, la France a payé de son sang ses idéaux. La loi du 22 pré-réal, qui rendait possible la condamnation d'un homme sans procès, a peut-être été proposée par Couthon, mais c'est l'autorité de Robespierre qui a permis sa mise en œuvre. L'accusé voulait se donner les moyens de tuer ses opposants politiques. C'était un outil parfait qui les empêchait de témoigner devant un tribunal. Lorsque Robespierre montrait quelqu'un du doigt, cette personne était déjà morte. De plus, d'après une rumeur, Robespierre aurait un jour suggéré pendant un dîner avec Bertrand Barrère que la France aurait avantage à décimer sa population que seule une société en ruine et clairsemée, mais idéologiquement pure, pourrait reconstruire la France dans l'esprit de la Révolution. Pourquoi Robespierre, un homme dont la réputation a un jour été irréprochable, se livrerait-il à de telles atrocités ? La dictature, monsieur le juge, c'est notre dernière accusation, nous ne trouvons aucune autre explication logique. L'incorruptible a dû souhaiter obtenir le pouvoir absolu sur la France, ce qui équivaut à une trahison. Après arrestation de l'accusé, nous avons fouillé l'hôtel de ville et trouvé un sceau gravé de la fleur de lys, le symbole principal du pouvoir royaliste. Qui sa conviction? Mode opératoire. Meurtre de masse. Pouvoir absolu. Mobile. Meurtre de masse, mode opératoire. Ok, il n'y a pas beaucoup de questions à poser. Avant tout, je demanderai à l'accusé s'il est capable de parler. Eh bien... Monsieur le juge, tout le monde ici estime qu'en accord avec la loi, nous n'avons besoin que de confirmer l'identité de l'accusé et de rendre notre verdict sans autre forme de procès. En accord avec la loi peut-être, mais est-ce bien moral? Que l'incorruptible coûte lui-même à la loi qu'il a faite pour les autres. Es-tu Maximilien de Robespierre? Alors, nous pouvons le condamner à mort pour ses crimes envers le peuple. As-tu poussé l'adoption de la loi du 22 pré-réal par la Convention afin de permettre le meurtre en masse de citoyens? Cela sera encore plus difficile quand on t'aura coupé la tête. Pas pour meurtre. Alors pourquoi avoir inventé cette loi criminelle et meurtrière? S'il dit que c'est pour le bien du peuple, je le décapite moi-même. La France, pas le peuple. Voulais-tu le pouvoir absolu? Jamais. Et pourtant, tu es reconnu pour prendre des mesures drastiques contre ceux qui
politique, comme ici, la politique. Nous sommes dans un tribunal ici. Le tribunal n'est dirigé que par Thémis. Les ignorants croient que... Condamne à ce salaud ce qu'il mérite. Dois-je te rappeler que l'identité de l'accusé a été confirmée et que sa culpabilité est claire? Il peut être condamné. Je connais la loi, procureur Tainville. Dépêchez le valeur. Avoues-tu être coupable de trahison et avoir décapité des politiciens qui étaient hostiles aux puissances étrangères? Non, jamais. Je n'arrive même pas à regarder ce traître. Je ne savais que la France, le peuple. Alors pourquoi as-tu un sceau avec l'affaire de Lys? Pour ses preuves, pas moi. Il tente de mentir pour sauver sa tête. Quelle puissance étrangère t'a promis le trône si tu éliminais ces politiciens loyaux envers la révolution? Je éliminais des traîtres comme vous. Et nous allons t'éliminer. Était un prélude à ta décimation... vas-y, je vais poser. Est-ce que les dernières arrestations étaient un prélude à ta décimation de la société? C'est le diable en personne. Rumeur, jamais j'aurais... Qui serait capable d'imaginer une telle chose? Un monstre. Pour détruire la nation et laisser la place à ceux qui lui sont loyaux. C'est indescriptible. Le sang de dizaines de milliers de personnes est sur tes mains. Ce ne sont pas des rumeurs. Tu as cherché à détruire la nation tout entière. Il ne trouvera pas. Non, il n'a pas accusé. Est-ce que c'était de nature contre-révolutionnaire? Oui. Comment le prévenu explique-t-il avoir été en possession d'un sceau royal? Il a confisqué. Il affirme qu'il a été falsifié. Verdict. Alors attention. Ouah, ça va. Les bourgeois me portent pas dans leur cœur, mais avec les autres, ça va. Hein. Et on n'est pas en danger de mort non plus. Coupable, je le redis, il est coupable. Qu'on l'emmène à la guillotine. C'est la fin de la tyrannie. Longue vie au juge. Moi, je vais tenter un discours, c'est quand même pour Robespierre. Hein. Crime, agression, accusé, agression, révolution, humilité. Alors, humilité, agression, agression, je sais. Nous sommes peut-être une nation miséricordieuse, mais n'oublions pas qu'un terrible crime a été commis. Ok. Cet individu a craché au visage de la justice, c'est du peuple. Thémis n'acceptera pas un tel affront. Ces criminels croient que notre tolérance est synonyme de faiblesse, c'en est assez. Bon, ils sont toujours agacés, mais ça va. Attention, chérie, ça va trancher. De votre mentor. Des voisins ont découvert le corps de Raymond, votre mentor. On l'a trouvé pendu dans son salon, au milieu d'un désordre complet de bouteilles vides et de verres de vin à moitié bu. Les voisins attestent que Desvoyers est sorti de chez lui à l'aube, moment où il a dû laisser la lettre sur votre bureau, puis est rentré mettre fin à ses jours. Ils l'ont entendu éclater en sanglots, puis faire silence soudainement. Toujours d'après eux, il buvait énormément ces derniers temps. Raymond Desvoyers, l'homme qui vous a initié à l'univers de la loi, votre mentor et ami, était impliqué dans la mort de Frédéric. C'est désormais à un autre juge de se prononcer sur sa vie. Let's go, hein. Ah, tout le monde est bloqué, hein, ça ne peut rien faire. Complot parfait.
effet. Ok. La convention doit vraiment choisir les membres pour... Oui, bah ça, on l'a fait, du coup. On attend de nouveaux événements. Fermé. Je voulais voir ça, vite fait. 18%. Ouais, il faut que j'arrête... La prochaine fois... prochaine soirée, je vais soutenir la construction de la statue. Hein. Alors, un soir de marché, deux chiens affamés d'une race indéterminée agressèrent la citoyenne Courby qui tenait un étal de boucherie. Elle tenta de le chasser et à l'aide d'un bâton sans succès, les molosses la renversèrent et s'attaquèrent à elle. Lorsqu'elle échappa enfin, ils se jetèrent goulûment sur sa marchandise. La garde arriva sur les lieux quelques minutes après, mais les bêtes avaient déjà fui. Les habitants du quartier indiquèrent immédiatement une vieille maison au fond d'un grand jardin. Nous avons établi qu'elle est occupée par Gaëtan Thibaudeau, un vieil homme qui travaille comme veilleur de nuit dans une fabrication voisine. Nous avons arrêté Thibaudeau en dépit de son refus à reconnaître les chiens comme siens, car à son grand âme, les animaux fautifs retournèrent chez lui au cours de l'arrestation. Nos soldats firent feu sur les jappeurs, mais celui-ci s'éclipsèrent dans l'obscurité. Ceci, pardon. Notez que la victime de l'agression fut gravement mordue aux mains et au visage. Il en fallut de peu pour que l'incident vira la tragédie. Agent de peuple, du peuple de la guillotine. Tous les autres, ils veulent la rédemption, enfin, l'acquittement. Donc on va l'acquitter. Coup de feu. Vieille maison, marchandises. Déroulement des faits. Tout a été établi. Bon. Écoute. T'es libre, on ne juge pas, vas-y, c'est cool. Allez. Le vicier a été vu en train de battre trois enfants qui jouaient aux cartes dans la rue. L'accusé prétend qu'il jouerait à la guerre. Le jeu qui sont lui en lui excite la violence. Et, libéré, voilà. Durant une de ses premières patrouilles, il y avait là un jeune officier de la garde. S'est laissé convaincre par ses collègues plus anciens de décharger son mousquet dans la rue. Par chance, personne ne faiblissait, mais la balle traversa une vitrine et détruisait un mannequin et les vêtements dont il était pareil. Ok, bon. Aubin a déserté sa batterie d'artillerie en pleine bataille en s'enfuyant dans les bois. Ouais, bah si, je suppose que voilà. C'est pas très intéressant les... On sait la va vite comme ça. Ah bah non. Non. Il l'a acheté à une époque plus faste pour lui. Il l'a gagné lors d'une partie. Il l'a acheté à une époque plus faste pour lui. Hein. Que faisaient les chiens durant la journée? Il réclamait à manger dans le voisinage. Il irait dans Paris. Il irait dans Paris. C'est ce qu'il a dit. Hein. Rappelez-vous. Tu peux pas être tenu responsable des chiens d'Autriche, je te déclare non coupable. J'espère que nous réexaminerons cette affaire une fois toute cette agitation retombée. Mais oui, elle s'est mordue toute seule. Un verdict déjà et le procès alors? Ouais bah écoute, j'avais pas de questions à lui poser, mec. Je suis lamentablement foiré. C'est pas grave, hein, ça arrive. Fait chier, mais ça arrive. Alors, your eyes were never so empty. But today, I want you to be proud of me. Come with me, Monsieur le Juge. Monsieur le Juge. Welcome, brother. You were in the dark for so long.
c'est mon frère. Bruno? Is that really you? How is it even possible? You were told what you were supposed to think. I had to die as our father's favorite son so that I could be born again. While you would be leading a comfortable domestic life, I was crawling in the mud of a battlefield. We all thought you were dead. It was much easier that way, wasn't it? I was dead and have been through hell. Kali abandoned me. Every door closed at the mere sound of my name. That was when hell reached for me. I enrolled in the army, hoping for a noble death. Instead, I was captured, taken, and I suffered. The enemies played a game of dice with me. If I won, I would be free. But for each round I lost, I would also lose a hand. I won the first one. But the second... I was able to escape, then started planning my revenge on our family, our father. Vas-y, tue-le, hein. M'en fous. On everyone who had disowned me. De toute façon, j'arrive pas à avoir une bonne relation avec lui. On us? You should lay the blame on Clément Renard. He was the one to... I blame you all. Father, you, France. You want to hurt your own family? You disowned me, as God disowned Cain. Father abandoned his own son, and you did not even try to defend me. I was young. Now you are an adult, and our father will watch your fall from grace. As far down as you can go. He will eventually abandon you, as he did me. I have realized that death will not hurt him as much as watching his other son reach the bottom and become a villain, too. And you did extremely well. You destroyed them. The Roland. Pash and his daughter. Gobel and his bastard son. And now, Robespierre. You did everything according to my plan. All I needed to do was awaken your desire for power. I made sure that you would fall with me, right before Father's eyes. Now, he will see that we are equal. Was my son's death also part of your plan? I executed him through the hands of Renard and your beloved mentor. I visited him and made him believe the story of his imprisoned son. Then, he also became one of us, a villain. He helped me to kill your child in order to save his own. See, I needed my own revolution. A place for people you call criminals, because they do not fit in your society. I lead an army of outcasts in Paris. An army of the sons and daughters left behind after you decapitated their mothers. People who have lost everything because of the revolution were expelled, forced to move to a foreign land. In a few days, we will attack Paris and build a new home on its ruins. A place where our father will always keep an eye on both his sons. Are you insane? Wait until you hear what I intend to do with your second son. He has not done anything. He must pay for the sins of his father. Everyone must. Just as I paid for the cowardice of ours. He will play two rounds of dice. Each round you lose, he will lose a hand.
That is the same price I had to pay. And now it's your son's turn. J'ai gagné aucune The price quantité, is suitable hein. for the sins you are guilty of. Allez, c'est les mains du... You have killed fiston every changé. Person that would be brave enough to face me. Thank you. C'est les mains du fiston qui sont en jeu. The blood is on your hands, not mine. I won again. Puis je l'ai pas de mon côté, hein. So won the first round once. On a déjà sauvé une de ses mains. You think that you know what it means to suffer? Wait until I show you. Ah, j'ai plus du tout de relance de dés, c'est ça? Ah, lui non plus. Heart. Only then will my revenge be complete. Allez, allez. Pitié le jeu là. Je fais des bons jets, l'enculé. We are done here. Bon, eh ben, mon fils va perdre une main. We settled the first score, but that is not all I have prepared for you. Far from it. J'en ai sauvé une, hein. J'en ai sauvé une. Ah, vous voyez pas trop le score avec ma caméra, je suis désolé. Pour maintenant. Ramel, my friend. He saved me. He saved my son. But he could not save what was already broken into a million pieces. Her eyes were not empty. Her eyes. C'était donc lui, depuis le début. Je suis navré, je ne savais pas. Jamais je n'aurais pu le deviner. Et celui qui a mutilé Bernard, il a ordonné à ses huileurs de le faire. J'arrive pas à croire que j'ai élevé un tel monstre. Ce n'est pas fini, je vais le tuer. Il ne cessera jamais de nous faire souffrir autrement. Je dois le tuer. J'ai perdu mon fils il y a bien longtemps, puis je l'ai retrouvé à peine quelques instants uniquement pour le perdre à nouveau. Je ne défendrai pas quelqu'un qui a sombré une nouvelle fois. Sa vie n'est que ténèbres. Comme la mienne. Pardon ? Rien. Nous devons rester soudés. Oh, bizarre. Moi, j'imagine que vous... Non, ça va. C'est pas encore... Ouais.
L'armée de mon frère arrivera dans 4 jours. Ah ouais. Je libère au moins mes agents. Ouais, non, bah c'est trop tard, ok. Yeah, il est inactif, ok. S'il va là, il peut faire quoi? C'est pas terrible. Hein. Mon contrôle de Paris, c'est pas terrible. Qu'est-ce que c'est important pour te faire venir ici, Marat? Cela ne pourrait-il pas attendre que nous en discutions chez moi ce soir? Je préfère en parler ici, en bonne compagnie, car je crains de ne pas ressortir de chez toi vivant. Je ne comprends pas. Je suis en possession de témoignages anonymes décrivant tes agissements depuis que tu es devenu juge au tribunal. Trahison, meurtre, concussion. Suis-je en présence d'un homme ou du diable en personne? C'est l'œuvre de Clément Renard. Cet homme a déjà anéanti mon père, et voici quelques jours qu'il menace de me réserver le même sort si je ne me soumets pas à lui. Citoyen fidèle, tout ce qui est écrit est faux. Ces mensonges ne cherchent qu'à détruire. Ne me prends pas pour un idiot. On vient de retrouver Renard mort à l'arrière du café Procope. Sache que je vais m'escrimer à dévoiler tous tes méfaits, chaque meurtre, chaque tromperie, chaque trahison. Je t'assure que... Épargne-toi cette peine, assure-toi plutôt de persuader ta famille que tu n'es pas un monstre, car je serai impitoyable. Quel connard. Ça fait mine. Ok. Je fais ça au pif, hein. Bah ça se voit. La révolution de Mara. Quoi de plus méticuleux que... Qui de plus méticuleux que Mara? Voilà que ce matin, les Parisiens se sont réveillés avec un nouvel exemplaire de son journal dans lequel il récapitule tous vos agissements depuis votre nomination. Il explique comment vous avez éliminé les Rolands puis exterminé les Girondins sur ordre de Robespierre. Il dépeint longuement la tourmente dans laquelle vous avez plongé le maire et sa fille. Les Muscadins y apprendront aussi comment vous avez faussement inculpé Béatrice d'espionnage. Chacun de vos méfaits du plus insignifiant au plus impardonnable est décrit avec la méticulosité archiviste de celui qui observe depuis un moment vos moindres faits et gestes. Votre frère, ne plaisantez pas. Tout cela est loin d'être terminé. Aïe. Ça va, toi? On peut rien faire. On peut rien faire. Ouais, ça ne peut pas bien se finir, hein, je pense, de toute façon. Bon, peut-être. Bah ouais. Ça pue la merde. Hein. Ok, bon, allez, affaires mineures.
Pas encore au pif, hein. Les affaires minières, vraiment, ça me saoule. J'aime pas cette partie. Je comprends qu'elle soit là, mais... J'aime de lire... Juste pour dire oui, non... Chiant. Citoyen fidèle, on a trouvé un autre corps. Qui est-ce cette fois-ci? Cesse de feindre que tu l'ignores. Assez de devinettes. Je pensais que, pardon, le citoyen Mara a été retrouvé mort. Ah bon? Mara had it coming. A crazy Girondin got to him. I'm not sure if he paid for his sins. Or my own. Get him out. Même dans sa tombe, Mara parvint à être un sévère nuisance. La veille de sa mort, il a envoyé sous presse un dernier numéro de son journal consacré à vos plus récents méfaits. Il affirme que vous êtes responsable de la mort de Gobel et que c'est vous et non le fils de Gobel qu'il faut qualifier de grand criminel. Un article décrit également comment vous avez renversé Robespierre au seul motif d'obtenir le pouvoir absolu en France. Inutile de vous dire ce qui y figure. Autrement, vous connaissez la vérité. Vous savez que cet écrit contient plus de vrai que de faux. Tout le monde partage cette opinion, même sans en avoir la certitude. Et votre famille sait que de quoi vous êtes capable. Aux yeux de Paris, vous êtes un monstre que Mara a percé à jour. Un monstre qui a tué et enterré la Révolution. C'est bien de se sentir soutenu par la famille. Ah, enfin. La cachette, hein. Ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air très bien, la cachette. À la base, je voulais faire d'autres choses, mais non, la cachette. La cachette. Alors, l'accusée est Charlotte Corday, une habitante de Caen. Elle soutient ouvertement les Girondins. Cette femme a assassiné Jean-Paul Marat. Elle a été arrêtée sur la scène du crime et a immédiatement avoué. Selon nos informations, cette femme possède une profonde aversion pour les Jacobins ainsi que pour tous ceux qui ont contribué à la chute des Girondins. Elle a organisé une rencontre avec Marat au prétexte de dénoncer certains de ses camarades qui auraient soi-disant organisé un soulèvement à Caen. Les serviteurs de Marat ont tout d'abord été vigilants et n'ont pas laissé la femme l'approcher, mais leur maître les aurait réprimandés et leur aurait dit de laisser entrer l'informatrice. Marat était assis dans son bain. Car selon la rumeur, il souffrait d'une maladie de peau qui était apaisée par de longues immersions. On n'aurait rien soupçonné, car nous n'avons trouvé aucune de ces armes près de la baignoire. Après une brève conversation, Corday a planté un couteau en pleine poitrine de Mara. Celui-ci a appelé à l'aide, mais n'avait que peu de chances de s'en sortir après une telle blessure. Lorsque les serviteurs se sont précipités dans la pièce, Corday regardait par la fenêtre comme si elle admirait le paysage. Elle n'a opposé aucune résistance lors de son arrestation, tenant seulement fermement entre ses mains les vies parallèles de Plutarque. Je ne sais pas s'il est bien, je ne l'ai pas lu. En route pour sa cellule, elle a répété plusieurs fois qu'elle avait agi seule et a tenu à souligner qu'il n'y avait pas d'homme derrière ses actes. Les gardes ne l'ont probablement pas cru, car elle s'est mise à hurler dans le couloir qu'elle était vierge. Enfin, qui voudrait copuler avec une telle folle?
Je sais pas. Partisane des Girondins. Personnalité. Elle a agi seule. Mode opératoire. Coup de couteau. Mode opératoire. Non. C'est sa conviction? Non. La fausse dénonciation. Mode opératoire. On doutait. Ok, ça va. On a réussi. Ça dit quoi? Faut la tuer, hein. Faut la tuer. Traître! Tu vas mourir, salope! Je te prie de te présenter, citoyenne. Je m'appelle Charlotte Corday. Tu es accusée de meurtre du citoyen Mara. Oui, c'est vrai, je l'ai tué. On voit rarement des gens avouer si volontiers. Veux-tu dénoncer tes complices? Je n'ai pas de complices, car il n'y avait aucun projet de soulèvement. Je savais que l'idée d'une grande conspiration convaincrait Mara de me recevoir. C'est une rusée! Tu es venu de Caen, c'est bien loin de Paris. Le voyage est passé vite, car j'étais concentré sur mon but et sur le plaisir que j'avais à imaginer Mara se vider de son sang. Tu t'es aussi assuré de porter une belle tenue. Une belle tenue pour la guillotine, pas pour Mara. On dirait que tu veux mourir. Si tel est le prix de la liberté et de l'égalité, au moins je suis d'accord avec Mara sur un point. Le changement nécessaire pour la France doit être introduit par la force. J'ai utilisé mon inébranlable force de caractère à cet effet. Nous sommes censés croire que tu as agi seul. Pas besoin d'un régiment pour poignarder un homme. Et personne ne t'a aidé à élaborer ton plan, tu as insisté. Je le dirai encore une fois clairement, j'ai bien conscience que monsieur le juge avait un désaccord avec Mara, mais que tout le monde ici sache que je n'ai pas reçu l'ordre de faire cela du juge fidèle. Toutes ces coïncidences. Je n'ai pas besoin d'un homme pour administrer la justice. Je n'ai pas besoin d'un homme pour quoi que ce soit. Ma propre volonté de faire est bien suffisante. Pourquoi as-tu souligné? Parce que vous autres faibles d'esprit êtes incapables d'accepter qu'une femme puisse tuer. Mara était pareil. Ce que tu as fait, c'est porter un coup à la France entière. Mara était un citoyen exemplaire, dévoué à la Révolution. C'était un thésaurisseur, un monstre. Il n'y a qu'à Paris qu'un homme comme lui peut être considéré comme le sauveur de la nation. Pour nous, à Caen, et dans de nombreuses régions de France, il était et sera toujours un simple criminel. Et aussi pour ses compagnons que tu voulais dénoncer. Pensez vraiment que quelqu'un vous dira la vérité? Vous qui nourrissez le sang frais de la guillotine. L'action transparente des autorités était censée être la base de la révolution. Peut-être à Paris, mais dans les campagnes, tout est pire que jamais. Avant, nous accusions le roi quand nous avions faim. Maintenant, nous accusons nous-mêmes, car nous vous avons mis au pouvoir. Un couteau taché de sang a été trouvé sur les lieux du crime. Est-il à toi? Oui, je l'ai acheté peu de temps avant n'importe qui de secrètement opposé à quelqu'un pourrait porter un tel coup. Avec un simple couteau. Et sans ces simagrées que vous organisez chaque jour sur la guillotine. Tu es un homme d'état dans son bain et une insulte pour tout le pays. Étais-je censé attendre qu'il ait remis sa culotte? Tu parles d'un grand homme. Pour moi, ce n'était qu'un petit homme bouffi d'arrogance. Je trouve en fait que toute cette situation est bien symbolique. Pourquoi donc? Il était si démuni et ne se doutait de rien. Il n'avait pas d'armes, tout comme les victimes de ces articles diffamatoires. Mara ne disait que la vérité. J'ai entendu dire qu'il avait attrapé une maladie de peau en se cachant dans les égouts de Paris. Il en est sorti comme un rat pour mourir dans sa propre frange. C'est assez. La guillotine va t'accueillir à bras ouverts, attends un peu. Quand tu as arrêté, tu tenais un livre de Plutarque. Peux-tu nous expliquer ce choix? Nous connaissons des esprits brillants qui ont grandi avec ce livre et ont appris les idéaux qui y sont décrits. C'est un symbole pour ceux qui doutent. Quel genre de noblesse idéaux peuvent justifier l'assassinat d'innocents? Réponds à la question. Les rues sont rouges du sang de centaines de victimes innocentes. Et vous me posez cette question uniquement pour Mara. Posez-la aux autres héros de la Révolution. Oh pardon, c'est vrai qu'ils sont morts aussi. Ils ont déjà été tués par l'idéal qu'ils ont aidé à forger. La mort de cet homme était donc justifiée?
pas moins que celle des Girondins qui ont eu le courage de ne pas être d'accord avec vous. Marat est mort afin que beaucoup d'autres aient une chance de vivre un peu plus longtemps. Quoi ? Vous ne pensiez tout de même pas avoir le monopole de la brutalité ? Oui. Quelle était l'arme du crime ? Un couteau. La prévenue a-t-elle dénoncé ses complices ? Elle a agi seule. Pourquoi la prévenue a-t-elle choisi Marat ? Selon elle, il symbolisait le mal qui étouffait la France. Elle a réclamé que dans ce journal, l'exécution de la France. Bon. Je connais la citoyenne Charlotte Corday à être guillotinée. Emmenez-la condamnée. Il a raison. Ouais, emmenez-la se faire égorger cette chienne. Eh bé. Tu en veux, hein. Non. Dépêchez-vous. Attention chérie, ça va trancher. Vous trouvez accroché un uniforme de garde de taille. Il ne sied qu'à seul de vos hommes, Raphaël Clovis, votre garde favori. Dans l'une des poches internes, vous trouvez une lettre qui montre le parti qu'a pris Clovis, celui de votre frère. Il vous combattra pour se sauver. Ou peut-être en a-t-il eu assez de vous. Pour en avoir le cœur net, vous devez le retrouver. Le pire dans tout ça est qu'il connaît vos points faibles. Ouais, ça se passe super bien. Let's go. Terror is nothing but swift justice. Robespierre used to say that. And now an army of outcasts marches towards us to present their interpretation of those words. Do you come to arrest me? I came to tell you that certain people believe everything you did for the benefit of France. Who are you? Officer Thomas Alexandre Dumas from the French army, at your service. Do you believe in what those few say about me? Most deputies of the convention fled once they learned of the approaching army. The reinforcements that will be able to save us will take a dozen or so days to reach Paris. Do you believe I did everything because of France? No. But as far as I heard, you know the enemy better than any one of us. Okay. As a commander, I certainly appreciate that asset. And as a human being, I know that brotherhood is especially important when someone has fallen. On va rentrer dans la you reach the bottom, but there are pas people willing to give you a chance to redeem yourself. I think you're talking to the wrong person. I am talking to a predator. I am talking to a person who is not averse to killing other citizens. And that is what awaits us. We will have to ruthlessly murder Frenchmen who stand on the other side of the barricades. I am talking to a murderer, because that is how you are known to those who are afraid of you. As ghastly as it sounds, you are exactly who we need. You said yourself that reinforcements are a dozen or more days away. That is why I gathered an army of loyal people. I will entrust them to you under one condition. Did you say an army? Look for yourself. A truly revolutionary army. The poor and the wealthy, white and black people, all marching side by side. They came here. Est-ce que Thomas Alexandre Dumas, est-ce que c'est Alexandre Dumas l'écrivain? Parce que Alexandre Dumas était noir. Métis en tout cas, j'ai l'impression que c'est lui. Hein. I do not have such power. But you do. You still hold the power of the guillotine, remember? Support me and the army will be yours. Regardless of their origin or race, those people believe that if they are scared of you, our enemy should be even more terrified. Hand me a piece of paper and a pen, General.
Et donc, du coup, j'imagine qu'on rentre dans l'acte 3, fraternité, j'imagine. Ce qui fait sens, hein, parce que fraternité, tout ça... Ouais, à mon avis, vu... Bordel. Alors, le nombre d'unités qui vous est accordé dépend de votre réputation. D'accord. Début d'une bataille, tout Paris a pris les armes. Le salon politique sera réaménagé en quartier général. Et la cachette en centre d'assistance, l'imprimerie, cessera de fonctionner. De toute façon, la cachette a été saisie et elle aidera vos agents à opérer plus efficacement dans Paris. Tant mieux. Déjà ça. Il dégénère en fort à chaque tour. Pour votre réputation sera élevée, plus nombreuses seront les troupes à se rallier à vous. Dans chaque section de Paris, des gens essaient de fuir la cruauté de l'ennemi. Protégez-les aussi longtemps que possible, votre réputation dépend. Activez et désactivez la vue du nombre de réfugiés restant dans les quartiers. Le médecin traite vos troupes blessées et leur octroie un bonus de points de vie. N'oubliez pas que si les troupes meurent, le médecin périra avec elles. Mais votre frère arrivera demain. On peut pas aller un peu plus. D'accord, je vois. Ça, on va faire comme ça. Hein. Si j'ai bien compris. Acte 3, fraternité. Ok. J'ai vu qu'apparemment, c'était la moins longue. Donc, pour ça, à mon avis, on va certainement finir le jeu ce soir. C'était l'acte le moins long. Fermina a traité aujourd'hui. Attends. Sur les témoins, il a un poignard à la tête avec qui il le précipita contre la mer, donc il était mort. Et accusé d'une. Attentat de. Ok, j'essaye d'équilibrer un peu les forces, c'est pas terrible, hein, mais. Surtout ça, en fait. Oui, même le peuple, la justice, blabla. Te voilà enfin. Alexis, ton frère, est venu me voir, celui-là même que l'on supposait mort. Jacques, j'ignore ce qu'il a... Laisse-moi parler. J'ai toujours perçu ta véritable nature. J'observais ton ascension progressive. Mais ce que tu es devenu ne me saute aux yeux que maintenant. Maintenant que je l'ai rencontré. C'est un monstre. Vous êtes tous deux des monstres. Cependant, après tout ce que j'ai entendu, je crains que ce ne soit pas lui le pire. Comment peux-tu dire ça? Nous sommes amis. Lui ne cherche qu'à restaurer le régime précédent. Non, Alexis. Il veut une réelle égalité et fraternité. Il veut que les personnes rejetées par la révolution puissent rentrer chez elles. Et tu le crois vraiment? Regarde ce qu'il nous a fait. C'est des guerres pires que ce que tu as fait à ceux qui se sont dressés sur ton chemin. D'abord très cher, mais notre amitié touche à sa fin. Quelles sont donc tes limites? Tu es allé trop loin, supprimant Robespierre. Nous avons versé bien trop de sang, Alexis, et voici pour moi une chance de me racheter. Du moins, en partie. Que comptes-tu faire? Je me rallie à ton frère. Tout ceci doit cesser. Je conduirai son armée et veillerai à ce que notre pays ne connaisse plus d'effusion de sang. Vas-tu nous combattre, moi et Ramel? Personne ne te soutient. J'ai déjà convaincu ta garde de nous rejoindre et Ramel accompagnait ton frère lors de sa visite chez moi. Il a toujours été contre toi, semble-t-il. Il m'a mené à l'abattoir. Moi, son ami. Au revoir, Alexis. J'espère seulement que je n'aurai pas à te tuer si je te revois. La France a enterré assez de ses enfants. Connard. Allez. C'est bien.
Dîner avec un repas chaud cuisiné à maison, vrai, soit. Barricade. Je vais me contenter de regarder les soldats se battre si je dois contribuer avec ce qu'il reste. Barricade. Oh bah c'est la guerre les enfants, hein. Faites-moi la gueule mais vous serez contents d'être en vie. They are already here. The outcasts, the cursed ones. That is how they call themselves. The families of the victims of the revolution. The sons of those who were forced to run to other countries. They have groped their way in the dark for years, and there was no one who would console them. Now they want France for themselves. As we do. Bon bah ça va chier des bulles carrées, hein. Qui doit dépendre de votre réputation, bien sûr. Le salon politique a été réaménagé en quartier général. Vous avez une attaque ennemie, si la section n'abrite aucune troupe, vous perdrez automatiquement. Ah oui, d'accord, je vois comment on fait. Incroyable. Ok, faisons ça comme ça déjà pour voir. Complot, Germaine de Staël. Madame de Staël a tiré parti du moment de faiblesse de la ville pour porter en avant les droits des femmes. Je me garde bien de juger les motivations des autres, mais dites-vous que si nous ne l'arrêtons pas aujourd'hui, nous ne verrons peut-être pas le lever du soleil. Ah, saloperie de femme. C'est ça le jeu. On ralentit les droits des femmes, les deux go, hein. Allez. Oh putain, livrer toutes les batailles. Ah oui, il faut aller là, c'est ça. Choisissez vos généraux, vous pourrez mener la bataille vous-même ou accepter l'aide de Général Dumas. Auquel cas, la bataille se déroulera de manière automatique. Chacun des ennemis. Je vais essayer de le faire moi-même d'abord. Tir de suppression. Pour commencer. Ça va faire mal, là. Je peux pas les atteindre pour l'instant. Allez, refais-le. Ok, c'est pas mal du tout. Hein. Assaut frontal. Assaut frontal. Ouais, ça c'était sûr que ça allait arriver. Et ça fait mal. Ouh là là.
Ouais, bon, à mon avis c'est mort hein. Peut-être qu'un assaut frontal ça peut me sauver et encore, je suis pas sûr. Ouais non. Bah assaut frontal hein. C'est sûr. Hein. On a secouru un peu moins la moitié des civils. On a perdu cette zone. Très bien. Franchement. Franchement. Pas ouf. Bah ouais. Ok, on gagne de l'influence. Ah là, il y a des... Oh, on va en perdre, c'est ça. Ouais. Réputation plus 4. Swan, tu as certainement reçu une copie de la déclaration des droits de la femme. Retrouvons-nous ce soir pour que je puisse te préciser nos revendications, Germaine de Staël. Ok. Une femme née libre. Bon, je vais peut-être pas lire toute la déclaration des droits de la femme. Ce sera un peu long en live. Hein. Ça doit pas être très intéressant, cela dit, mais ça doit être long. La fille de Jean et Marie Pic a péri à sa naissance. Le père a attesté avoir entendu l'enfant crier à pleine gorge. Cependant, lorsqu'il entra dans la chambre où se trouvaient son épouse, une servante et une sage-femme, sa fille ne respirait plus. Le médecin sollicité par les Pic arriva le lendemain. Il remarqua des marques de strangulation sur le nouveau-né et prit l'initiative d'informer la garde. L'enquêteur n'a pas été en mesure d'interroger les parents car ils étaient tous deux en proie à la stupéfaction et à l'accablement. Tu m'étonnes. Nous avons révélé de nombreux signes de la naissance dans la chambre en désordre, dont des forceps laissés par la sage-femme. D'après la servante, elle a quitté les lieux en toute hâte comme si elle cherchait à s'enfuir. Nous sommes parvenus à identifier la sage-femme nommée Claudine Cessier. On dit qu'elle porte malheur quand il s'agit d'accoucher des petites filles, car la plupart d'entre elles meurent nées. Nous avons décidé de l'arrêter et les enquêteurs ont trouvé une Bible sur la table de sa cuisine. Sa conviction, Bible de Cessier, les décisions anciennes et en piteux état, de nombreuses versets ont été soulignés au crayon. Tout le monde veut sa mort, bah tu vas mourir. Ok. Claudine Cessier, c'est moi. As-tu étranglé l'enfant de monsieur et mademoiselle Pic? Il fallait que je le fasse, monsieur le juge. C'était par malheur une fille qui était née. Ok. Brûle en enfer! Que veux-tu dire? Tu es un homme, tu ne peux pas comprendre. Je veux que les femmes cessent de souffrir. Ouais, enfin bon, quand même. Alors, pourquoi les étrangles-tu? Je te l'ai dit, tu ne comprendrais pas. Elle est folle, habillée. Ok. Marque de strangulation. Mode opératoire. Forceps. Arme. Bible. Ce n'était le neige. Ok. Les autres, c'était les pièges. L'enfant était-elle née vivante? Oui, monsieur le juge. L'as-tu étranglée de tes propres mains? Non, j'ai un collier spécial. Cela serait plus rapide si je leur brisais le cou, mais je n'en ai pas la force. Je propose de conclure immédiatement cet interrogatoire par une condamnation à mort. Pas encore, citoyenne, comment as-tu pu commettre quelque chose d'aussi horrible? Je l'ai fait pour elle, monsieur le juge, pas pour moi. J'ai connu assez de souffrance dans ma vie et elles ne les subiront pas. Crois-tu en Dieu? Non, monsieur le juge. Qu'en est-il alors de la Bible trouvée chez toi? La Bible n'est pas un livre sacré, mais un recueil d'instructions pour que les hommes ruinent notre vie. Explique-toi. La lettre aux Éphésiens
dit par exemple, « Femme, soyez soumise à vos maris comme au Seigneur Jésus, car le mari est la tête de la femme. » Les hommes entendent ça à l'église et traitent ensuite les femmes pire que des animaux. « Mais ne fais-tu pas pire en les tuant ?»« Je les aide. » »« Comment donc ?» Comme les hommes meurent à la guerre, ils sont de moins en moins nombreux et les femmes doivent rivaliser pour eux. S'il y avait moins de femmes, les hommes se mettraient enfin à les respecter. Cette femme est possédée par le démon. Les hommes ne sont-ils pas respectés? Mon père m'a donné un homme, il m'a battu pendant 8 ans, jusqu'au jour où il s'est aviné à en mourir. La révolution lutte déjà contre les superstitions religieuses, tu n'as pas à le faire. Ah oui, vous vous battez pour la fraternité. Mais vous ne vous souciez pas de vos sœurs. Pourquoi as-tu quitté la maison des Piques avec un tel empressement? L'enfant était morte, je n'étais plus d'aucune aide. Aucune aide. Tu fais payer pour l'accouchement? Non, je ne pouvais pas. Pourquoi donc? Je vais te reposer la question, pourquoi n'as-tu pas demandé d'argent aux Piques? Cesse de me tourmenter, je ne l'ai pas fait pour moi. Je veux seulement que les autres femmes aient une meilleure vie que la mienne. Si nous étions moins nombreux que les hommes, notre cauchemar millénaire prendrait fin. L'entièreté de la courte vie de cette petite fille a été un cauchemar. Ouais. Son mari la battait depuis des années. Qu'a-t-elle envoyé pour... un collier. Ah non, elle a refusé. Oula. Ouh. Il y a des affaires dans ce jeu. Wow. Ça met pas bien, hein. Citoyenne, Cécile, tu me dégoûtes au plus haut point et c'est avec un grand soulagement que je te condamne à mort. Ce n'est pas assez, qu'on l'écartèle. Je dormirai mieux en sachant qu'elle n'exerce plus son métier. C'est pas contre-révolutionnaire, oui, c'est sûr, je sais pas. Des fois, pour dire qu'un crime est contre-révolutionnaire ou quoi, c'est pas évident, je trouve. Hein. On va passer le discours, je veux pas mettre les gens à dos, c'est nul à chier là-dessus. Encore un autre homme s'attaquant aux femmes, mort au patriarcat. Enfin, t'as tué des bébés quand même, je comprends ce que tu veux dire, mais pas en tuant des bébés. Délicieux quadrupède, les rues se vident tandis que le soleil se couche, vous marchez sur le trottoir encore chaud, songeant au délicieux dîner préparé par votre femme. Vous êtes si détendu que vous ne remarquez pas une femme qui tourne le coin en courant. Elle vous rentre dedans avec une telle force que vous tombez tous les deux par terre et elle laisse échapper un sac libérant plusieurs chats. Elle se relève d'un bond et essaye de les rattraper, mais deux réussirent à s'enfuir. Ils se sont échappés, écrit-elle, incapable de décider lequel poursuivre en premier. Pas d'argent et pas de pâté, ajoute-t-elle. Soudain, vous comprenez exactement ce qui se passe devant vous. Arrêtez la femme. Non, enfin... C'est dégueulasse pour les chats, mais... La femme s'en va en serrant son sac. Elle regarde régulièrement autour d'elle, cherchant une proie bien d'odieux. Vous avez des choses plus importantes à faire que d'observer comment on attrape la manière... Comment on attrape la matière première pour faire du pâté. Ah putain, c'est pour faire du pâté pour les gens. Ah putain, j'avais pas compris ça. Je pensais qu'elle voulait bouffer. J'aurais dû l'arrêter. Je promets de ne pas prendre de temps, d'autant plus que mon affaire va de soi. Bien sûr, que pourrait-il arriver au pire? Des changements. Vous n'allez pas les aimer, surtout quand vous saurez qu'ils se produiront très bientôt. Quel genre de changement? La libération des femmes, bien entendu. Oula, ouf. Très bientôt. Je ne comprends pas. Qui vous a servi? Vous les hommes, vous décidez de régner sur le pays et sur nos destins. La déclaration des droits de la femme l'expose clairement. Pardon. Ah oui, votre fameuse déclaration, votre legs. Je n'ai fait que donner quelques suggestions concernant le document, mon devoir et autres. Mener les femmes à leur triomphe suprême. En foulant les cadavres des hommes, je présume. Il n'est pas nécessaire d'en arriver là. La déclaration doit être acceptée dans sa forme présente, à prendre ou à laisser. Nous ne consentons à aucun pourparler. Dussiez-vous résister et nous protesterons.
Vous apprendrez alors que c'est ce que c'est d'affronter l'agresseur sans notre aide. Vous voulez que je persuade les gens d'accepter un tel bouleversement, surtout en ce moment? Ouais, c'est ça en fait le truc. Depuis la première... Merde. J'ai pas fait exprès, j'ai mis ce clic. Je crois que vous surestimez le pouvoir des femmes, madame. Je n'ai guère vu vos semblables sur les champs de bataille, alors même qu'un rien pu faire pencher ma combat. Ce qui importe le plus, c'est de savoir si vous êtes prêt à risquer notre révolte ou non. Vous savez que ce que nous voulons, nous allons vous laisser un moment de réflexion. Au revoir, citoyen. Barricade, provisions et médicaments. Provisions et médicaments. Bon bah Fabio, je l'ai perdu. Hein. Chaque action que je fais en plus m'enlève des points avec eux. Donc... Ah, ils vont à droite. Ah putain. Je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'ils allaient aller là. Là où... Putain. Je vais défendre là. Bah, c'est sûr que ça baisse la mon influence, hein. Ma réputation. Convaincre les hommes, bah ça va être simple ça. Putain. On sauve quand même des gens, hein. Ah, on n'a pas sauvé des gens, hein. Ah ouais, let's go. Let's go. Réputation moins 4. C'est la réputation que j'ai gagnée tout à l'heure. Nous avons seulement quelques affaires mineures à traiter aujourd'hui. Vas-y, péter. La fonderie d'obus a prétendu que son contremaître avait été guillotiné pour meurtre. L'information se verra rapidement fantaisiste. Ok. C'est chiant les trucs rapides à lire et tout, à prendre l'addition. J'essaye d'équilibrer en fonction des logos, je t'ai dit plusieurs fois, mais... C'est quoi, ça? Hiérarchie? C'est lui, ok. C'était moi au-dessus, maintenant c'est lui. C'est la première fois que je vois ce truc. They want to rule. What are they thinking? I'll beat some sense into my wife later. Just prepare our food and bear our children. No women will rule us. Remember your place, or we will help you. Ok, alors je veux... Bon. Nous devons accepter les revendications des femmes. Plaisanterie, vas-y, ça peut marcher. Elles ne sont guère exigeantes. Elles méritent d'être mieux traitées, ça je suis d'accord. La révolution était censée mettre tout le monde... Ça c'est quoi? En retrait? En humilité. Était censée mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Alors la plaisanterie, non. Nul, nul, agressivité, agressivité peut-être. Susceptibilité. Qu'est-ce qui irait bien? L'humilité peut-être. Humilité, humilité.
en retrait, ce serait plus la plaisanterie, peut-être. Attachement. What they did is disgusting at a time. Certes, commis une bassesse répugnante, mais nous n'avons pas le choix. Nous devons nous plier à leur desidera, du moins pour le moment. Les eaux. I know your blood is up. Je vous sais très remonté, mais en vérité, elles ne demandent pas grand-chose. Cette concession foutra peu. Sur leur cède d'un pouce, elles prennent un arpent. Si on leur tend la main, elles nous arrachent le cœur. Ne sais-tu pas de quoi sont faites les femmes ? Nous n'avons pas le temps pour de telles discussions, citoyens. L'ennemi est dans nos rues. Et vous vous demandez si vos épouses méritent d'être traitées comme des servantes ou des esclaves. Mais nous trimons pour les nourrir. Nous leur donnons des enfants. Est-ce que ça ne suffit pas? On dit que dans les pays sauvages, les femmes ont la vie bien pire et elles ne se plaignent pas. Sans elles, vous n'auriez jamais eu votre révolution. Sans leur aide, vous seriez encore à décroter les étables des nobles. Au lieu d'apprécier chaque lever de soleil, elles se sont toujours tenues à vos côtés. Mais la révolution ne les a pas récompensées. Oh putain. Vous voulez retourner aux vieilles coutumes d'ancien monde? Autrement, souvenez-vous que vous avez clamé liberté, égalité, fraternité. Fraternité, bon sang. À quoi bon une telle devise si vous refusez qu'elle vaille pour les femmes? Tu devrais pourtant savoir que ce qui arrive lorsqu'on se montre indulgent avec les femmes, elles nous poignarderont dans le dos à la première occasion. Ou alors elles nous empoisonneront. Il n'y en est pas question. Putain, mais. Pas chier, oui. Rule of women. They can have a brothel. Let them rule that. For the glory of the new world. Super. Dîner avec des officiers, ça leur fera plaisir. Bon, allez. Allez, 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 allez. Ils vont attaquer où? Ils vont attaquer là, évidemment. Là, un des... Ah, il y a deux fronts. Super. Je peux pas remettre, bah non. On va retourner défendre ça aussi parce que... Probablement la prochaine cible. Comme s'il faut que j'équilibre un peu partout, ça qui est chiant. On peut pas... Non, c'est fini. De voir où sera la prochaine attaque. Bon, on va aller perdre ça. Allez, fais-le automatiquement. Efficacité 50%. Peut-être qu'il va. Non. Il n'y va rien faire. Bon, bah, par ici alors. 50%, 54%. Bah, je vais le faire moi. Hein. On va voir. Ça n'a pas l'air infaisable de fou, hein. Premier quartier que je vais réussir à défendre.
ok. Bon bah là, à part ces deux quartiers là, ou contourner par là. Ah, il y a deux quartiers là, ah, putain. Je peux pas faire mieux. Bah demain. Bon, ça va redescendre, hein. Ouais, là. Ouh là là. À ce point. J'essaye de faire de mon mieux, les enfants. Pitié. De toute façon, là, la technique, ça va être de mettre toutes nos unités au quartier. Peuvent être attaqués en premier, quoi, à la frontière. J'ai été soldat. Le prestige de la justice, les responsables de ce noble bâtiment pensent que ces deux vertus sont essentielles. Le prestige et la justice sont au-dessus de tout. Avant-hier, j'ai eu le plaisir de partager quelques verres avec un de nos gardes et nous avons échangé des souvenirs. Vous savez qu'avoir servi dans l'armée est une condition indispensable pour devenir garde des tribunaux, n'est-ce pas ? Cela n'est pas négociable. Alors ce garde a dû nous servir à un ramassis de sornettes en parlant de sa carrière militaire. Et les états de service qu'il a réussi à obtenir sont sans doute falsifiés. Bien sûr, nous avons beaucoup vu. Enquêter sur la question. Ah. Lui, il faut le tuer. Apparemment, ça fera plaisir à tout le monde. Sur le banc des accusés se trouve Étienne Lebeau, résident de Paris bagarreur et immoral, client régulier des brasseries sordides du Faubourg de Gloire. Le mois dernier, avec son camarade Michel Verdière, il a attaqué un autre de ses compagnons de beuverie, Jean Boudon. Un témoin qui a tout vu affirme que Lebeau et Verdière ont tendu un piège à leur victime alors qu'il retournait à sa mansarde. Sa mansarde. Je ne sais pas, je connais pas ce mot. Ils ont attaqué Bourdon dans une ruelle sombre, l'ont frappé et ont pris son argent avant de le poignarder. Peu de temps après, Verdière a été arrêté au cours d'un interrogatoire de routine. Il a avoué sa participation à l'agression. Bien qu'il a juré que le coup de poignard avait été donné par Lebeau, Verdière a été condamné à la guillotine. De son côté, Lebeau avait disparu. Apparemment, il se tairait à Neuilly. Lors de son arrestation, il nous a tenu le même discours, soutenant que Verdière l'avait poignardé Bourdon. Lebeau portait un sac élégant, presque vide. Nul doute qu'il ne lui appartenait pas. Pièce à conviction, un couteau trouvé sur Lebeau. Pièce à conviction. Attaque d'un compagnon de beuverie, accusation. Meurtre. Mode opératoire. Sac, pièce à conviction. Meurtre mobile. Okay. Les procès sont plus simples depuis quelques moments. On va te couper la tête, pourriture! Je m'appelle Étienne. L'accusé n'a pas encore la parole. Je m'en fiche. Avec le plus grand respect absolu. Étant donné le comportement de l'accusé, je crois que je connais déjà le verdict. La mort! Qu'on le décapite! La guillotine! Pourrais-tu avoir agressé le citoyen Boudon? Bah, à quoi bon mentir quand tout le monde le sait? Ouais, Verdière et moi, on l'a attaqué. Pour le tuer? Pour le voler, c'est tout. Je pensais pas que Verdière le tuerait. Assassin! Mais tu ne l'en as pas empêché. En quoi tu crois que je suis de la garde? Il m'aurait planté aussi. Qu'il pourrit 6 pieds sous terre! On a trouvé un canif sur les lieux du crime. Est-ce avec cela que tu as poignardé le citoyen Boudon? Non, les gardes ont pris mon couteau. Pourquoi portais-tu un couteau? Parce que c'est un assassin. Parce que ça peut toujours servir. Quand tu veux poignarder un concitoyen, par exemple. Je l'ai pas poignardé, d'accord? Pas avec mon couteau, ni avec un autre. Si j'avais voulu le tuer, je l'aurais fait de mes mains. Je me demande combien de personnes il a tué. Tu soutiens encore que c'est Verdière qui a tué le citoyen Boudon? Oui. Sale menteur! Mais c'est toi qui l'as frappé et volé. C'est lui qui voulait voler Boudon, parce qu'il s'était engueulé sur un truc. Quand j'ai pris son sac, il était pas si plein que ça.
Pourquoi Verdier a-t-il demandé de venir avec lui? S'il avait agressé seul Boudon, il aurait pu gagner tout l'argent. Il avait peut-être peur de le faire tout seul. Un criminel professionnel aurait eu peur de voler un homme tout seul. Fallait le demander à Verdier avant de le tuer. J'étais pas dans sa tête, hein. Il voulait sa part, c'est pour ça qu'il est allé avec Verdier. Oui. Les sœurs se sont parlé du sac de la victime. Le prévenu. A-t-il fait connaissance avec la victime? Ils avaient l'habitude de boire ensemble, hein. Compagnon de beuverie. Verdict, la mort. Putain, les aristocrates s'en ont rien à foutre. Je condamne le citoyen Étienne Lebeau à être guillotiné. Félicitations, une peine juste. Hurrah! Cette racaille l'a cherché. C'était pas contre-révolutionnaire. Je sais pas. Hop, je passe le discours. J'ai pas envie de les énerver plus qu'ils ne le sont. Finissons-en, il se fait tard. Attention chérie, ça va trancher. Did you come to visit the English whore? That's the new code name they gave me in prison. I'm so sorry, Grace. The guard should not... Oh, this whole revolution of yours shouldn't. But this is who you are. If I ever get out of here, I will charge you triple. What do you want? To offer you absolution. Since you came to offer it, you must want something in return. What? Madame de Stael. I'm not a panderer, sorry. The only thing I can currently give you is a rat that I killed yesterday. I'm not feeling all that hungry recently. Yet, you are the only person that can help me. That can help Paris. Do you remember when someone stabbed you in the middle of the street and I stitched you up? Did I still not help you enough? Toi et moi, nous nous entraidions autrefois. Retrouvons nos bonnes habitudes. Dis-moi ce que tu as vu au sujet de Stael. Quoi que ce soit qui puisse valoir la guillotine. Je doute que tu trouves quoi que ce soit de Stael. Et irréprochable, c'est la raison pour laquelle les femmes l'ont choisi. Tu as certainement quelque chose, ne mens pas. Méritais-tu pour atteindre votre but? Ça veut rien dire. J'imagine que la motivation te fait défaut, aide-moi, et tu quitteras ces lieux dès aujourd'hui. De Stael se sert de la terrible situation de Paris pour ses propres objectifs politiques. Je ne la laisserai faire de chantage à la France et à moi-même. Étant donné qu'il n'existe aucune preuve de son crime, j'en créerai. Laisse-moi partir et je te munirai d'une accusation suffisamment lourde pour abattre qui que ce soit, même quelqu'un d'aussi innocent que de Stael. Ah, ok. Bien sûr. C'est le seul qu'on n'a pas fait. Après, je referai un coup de barricade, provisions et médicaments. Et re-chemin sûr. Dîner avec les officiers, ça peut attendre. Ouais, on a pas grand chose. Ouais, je m'en doutais que ça allait attaquer sur ces deux fronts. Alors, on va. Ah putain, puis il y a toutes mes troupes là et là. Putain, quasiment. Ah, vas-y.
peut faire ce qu'on peut, hein. Un assaut frontal pour commencer, ça peut être bien. Faut faire un tir de suppression là. Quoique l'assaut frontal, ça peut payer. Parce que dès que je tue lui, eux ils vont s'avancer, forcément. Putain, il en faut encore un peu. Ah, fait chier, j'ai perdu mon canon. Là, ça sent pas bon. Ça sent vraiment pas bon. Je sais pas que c'est infaisable, mais ça va être compliqué. Très compliqué. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Je perds toutes mes unités ici, mais... quasi toutes. Ok. On peut pas bouger les gens là maintenant? Si, on peut. Garnison pleine, d'accord. Faisons ça alors. Allez. Je peux le faire automatiquement. Est-ce que ça marche? Putain, il est nul. Je vais moi-même hein, maintenant. Il a perdu toutes tous mes copains. Oh le salaud, putain, il fait chier, il est nul à chier. Je vais faire tous mes combats moi-même. Hein. Vraiment. Rébellion des femmes, j'en avais besoin. Signer la déclaration et gagner le soutien des femmes. Brûler la déclaration et arrêter. Je veux le soutien des femmes, hein. Tant pis. Enfin, tant pis. Je dis ça comme si. Waouh, attention. Il faut du monde sur le front, hein. Moi, j'envoie les hommes, les femmes, les enfants, les nouveau-nés. Ah, ici, c'est terrible, hein. Là, c'est terrible. Il y a deux quartiers, on les a perdus définitivement, hein. Bah, ok. Ok, le peuple veut sa libération, les autres veulent la mort. Je suis bien avec personne, on va essayer de viser la mort. J'ai été soldat, ce qui aurait pu n'être que l'éducation d'un homme ivre s'est avéré vrai. Ça devait être un bien lourd fardeau à porter pour cet homme, heureusement il a enfin trouvé quelqu'un à qui faire confiance. Moi, j'ai discrètement résolu le problème. Cet service avait été falsifié, et pour en être certain, j'ai interrogé des gens qui aurait dû le connaître à l'armée. Apparemment, personne ne s'est jamais dit qu'il fallait vérifier ce genre de choses. Qui aurait pu penser qu'on mente à ce propos? Il semble que cet homme voulait désespérément obtenir du travail. Envoyez le garde, accusez le garde d'escroquerie, laissez le garde tranquille. Envoyez le garde.
Alors, Marc Pinet, veuf de 42 ans, est un maître en poudrerie reconnu. Ses ouvriers l'apprécient, il est grandement respecté et n'a jamais eu d'ennui avec la justice. Cependant, deux de ses ouvrières l'accusent à présent de viol. Et étant donné que la demande élevée en poudre à canon que connaît Paris, sa fabrique opère jour et nuit tout en employant moitié moins de personnel que d'ordinaire. Les citoyennes Vagané et Bach, qui travaillaient depuis quelques semaines seulement, s'y sont connus là. Alors qu'elles travaillaient de nuit, Marc Pinet les aurait toutes deux agressées dans la réserve derrière la poudrerie. C'est génial parce que je dois le tuer parce que c'est horrible ce qu'il a fait et parce que les gens veulent qu'on le tue. Mais c'est lui qui fait la poudre pour ça va nous foutre dans la merde, j'imagine. Elles ont attesté qu'il leur ordonna sous la menace d'un couteau de l'accompagner de la réserve et de se dévêtir. Quand il eut fini, il leur donna à chacune quelques sous. Elles n'osèrent le dénoncer qu'au bout de quelques jours, lorsqu'elles découvrirent qu'elles avaient vécu la même terrible expérience. Nous souhaitons exprimer notre solidarité avec les défenseurs de Paris et demandons une résolution rapide du procès de Marc Pinet. En ce moment, la poudre nous importe plus que l'or. Bon, bah, jugement express. Citoyen Pinet, c'est moi. Tu es accusé de viol par deux citoyennes. Il s'agit d'un malentendu, je les ai payés. J'aurais payé leur dû. Pourquoi m'en veulent-elles à ce point, à présent? Ont-elles échangé de l'argent en échange? Si ce n'était pas le cas, elles ne l'auraient pas empoché, n'est-ce pas? Elles ont déclaré que tu as menacé avec un couteau. J'en porte un tout le temps, mais je n'ai menacé personne. C'est trop important. Ça fait chier, mais c'est trop important. Oh, putain. Wow, c'est chaud là. Les révolutionnaires et les aristocrates, c'est chaud. On leur fera plaisir la prochaine fois. Que voulez-vous? Bon. Portait-il un couteau? Portant chez le pain là, pour vérifier la qualité de la poudre? Oui. Je sais pas. Mauvais travail, hein, mais cette affaire paraît être un simple malentendu. Tu es libre, citoyen. Et j'espère que les malentendus de ce genre ne sont pas courants. Bien jugé! Elle pensait pouvoir diffamer un si honnête homme! Un verdict déjà et le procès alors. Bah désolé, j'ai foiré. Suivant. Ennemi du palais de justice. Let's go. Qu'est-ce qu'on gère bien, hein? Putain. Provisions et médicaments. Et bah bizarrement, mon vieux, c'était avec celui que je m'entendais le moins tout le long du jeu. Et c'est celui qui a une meilleure relation avec moi maintenant. Oh putain, bah ça c'est perdu. Ok, bon bah il faut préparer le futur. Tellement déjà perdu. Même ça, on va. Alors maintenant, je vais tout faire moi-même parce que ça ne va pas. Ok, alors ça m'a l'air bien neutre pour le moment. De les affaiblir, hein. Je sais pas si eux ils perdent des troupes aussi de leur côté si on les tue comme ça, enfin vous voyez ce que je veux dire.
Mais je peux faire que ça, hein. Espérer que ça. On va essayer aussi de mettre des survivants un peu, parce que là... Mais ils ont des baïonnettes, ils peuvent pas tirer avec leurs baïonnettes, les cons. C'est d'une baïonnette, quoi. Je sais pas. Bah, c'est fini ce tour-là. Aïe, 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 aïe. C'est fini ce tour-là, j'imagine. Allez, c'est ton baroud d'honneur. Si t'arrives à faire quelque chose, mon grand, tu seras le héros de la nation, hein. C'est moi qui te le dis. Ouais, c'est mort, hein. C'est... Ok. Bon, on a réussi à sauver des gens. Ouais. Bah, ouais. On peut pas tenter de les récupérer, tous ces endroits-là, en vrai, ça, que je me demande, on fait un petit assaut là, tu sais, par exemple. Je sais pas, faudrait que je regarde un peu autour d'après. J'étais soldat, le prestige et la justice, je me suis répété, ces deux mots sont encore et encore, tandis que le rêve de ce jeune homme était réduit à néant. En même temps que son gagne-pain, c'est vraiment dommage, mais nous avons des choses plus importantes à régler. Ou alors, nous ne méritons pas de faire partie de la révolution. Alors lui, il faudrait le libérer, si je comprends bien. Ouais, c'est urgent même. Trois soldats servant dans l'unité postée derrière la prison de Port-Libre ont volé 6 oies dans une ferme hors la ville. Hors de la ville, j'imagine. Le fermier Jean Capel surprit les troupiers dans leur larcin. Capel s'opposa aux soldats fourche à la main. L'un d'eux se mit en joue avec un mousquet tout en menaçant de faire feu. Le fermier confia par la suite que sa frayeur fut si grande qu'il en perdit ses esprits et courut se réfugier dans la porcherie. Capel fut se plaindre... du vol auprès d'un officier en poste dans les environs qui ordonna aussitôt de rechercher les coupables. L'un des soldats fut rapidement trouvé dans une chapelle abandonnée alors qu'il était occupé à rôtir 3 volailles sur un brasier improvisé. Les gendarmes l'arrêtèrent et lui confisquèrent son arme. Une baïonnette réglementaire, le détenu n'a livré aucun complice, même contre l'assurance d'échapper à un procès. Soldat Gobert. Soldat Michel Gobert, monsieur le juge. Depuis combien de temps es-tu dans l'armée ? Un an et 4 mois, monsieur le juge. As-tu volé les oies de Jean Capel ? Je... Bah, c'est-à-dire que oui. Comment ça, c'est-à-dire que oui ? Explique-toi. Du côté de Paris, où on était, il se passait rien. Et on n'avait plus grand-chose à manger. Oui, pardon. Rôti. Déroulement des faits. Mousquet, arme. 3 soldats. Mode opératoire. Rôti. Mode opératoire. Chapelle abandonnée. C'était le piège. Bah alors. Il restait un truc que j'ai pas vu. J'imagine, ouais. Rapport. Est-ce que l'accusé a avoué le crime ? Oui. Oui. Comment le prenez si je suis d'avoir une baïonnette ? Pour menacer un fermier, je sais pas. Non. Il y en a toujours une avec lui. Il se préparait à prendre l'ennemi à revers. Le soldat a-t-il donné le nom de ses complices ? Il a refusé de répondre. J'en ai aucune idée, hein. Je vais pas le
le juger, je lui pose pas de questions parce que les autres ils vont dire ah il faut le tuer. Ouais bon, c'est pas terrible. Oui, il n'y a pas de jugement, ils vont gueuler. Je ne peux pas punir nos soldats pour la simple raison que notre armée ne les nourrit pas, je déclare le soldat Gobert non coupable. Il a tout avoué, la guerre nous impose d'être plus strict et non clément. Va donc dans les villages des Roferniers qui pourront être détroussés par ces bandits en uniforme. Verdict, déjà, et le procès alors. Ouais, désolé, hein. Écoutez les enfants. Comment te sens-tu aujourd'hui, Bernard? Qu'est-ce que tu vois? Pardon? J'ai dit, qu'est-ce que tu vois? Toi, mon fils? Non, tu regardes un monstre, mutilé et humilié, qu'on a privé de ses rêves. Ah oui, c'est vrai qu'il était, il faisait du concert pour Alto. Ce n'est pas vrai, tu attends à vivre. Vivre quoi, au juste? Quoi? D'avoir une carrière? Regarde, je ne pourrai plus jamais jouer. C'est ce que tu voulais, non? Allez, avoue. Jamais de la vie. Je ne te crois pas, plus jamais je ne te croirai. Tu disais que tu prendrais soin de nous, mais personne ne peut arrêter cette folie, cette terrible révolution, cette famille maudite, avec ses morts qui se relèvent pour harceler les vivants. Peut-être est-ce signe des temps, et les gens qu'on a décapités à cause de toi, est-ce qu'ils reviendront nous tuer? Peut-être que le roi sortira de son tombeau pour venir en personne m'arracher les jambes, tant que je les ai. Je suis navré, mon fils, je le suis vraiment. Moi aussi, tu m'excuseras. Je dois réfléchir à comment gâcher le reste de mon existence que tu as épargné dans ta pitié cruelle. Bonne ambiance, bonne ambiance. On fera un dîner avec les officiers la prochaine fois. Des salauds. Ah mais il y a des gens qu'on peut recruter peut-être en fait ici. Ah ouais putain mais j'ai aucun de... Ah oui d'accord, il fallait me le dire avant, j'avais pas compris ça. Go défendre ici hein, là pour le moment je vois pas quoi faire de mieux. Non, on va mener les batailles. Elle est pas perdue, celle-là. Oh la vache. Oh putain les mousquets. Oh merde. Oh. Ah mes tireurs là. Oh là là. Oh là 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 là. Ouf. Ouf. Oh. Oh. Ouais, tir de suppression, évidemment que ça va pas faire grand chose. Ah, tir de suppression peut-être quand même. Pas de choix. Hein. Allez, il faut qu'on sauve des survivants. Je sais pas si ça m'aidera beaucoup pour la suite, mais. Il reste plus que les canons, je sais pas comment ça va se faire. On va voir. Y'a match. Assaut frontal aussi de leur part, c'est plus la merde. C'est plus la merde, toi.
pue la merde très fort. Ouais. C'est fini, hein. Ouais, c'est fini. Malheureusement. Quoique, si on attaque en premier... Aïe, 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 aïe. C'est ça, son armée à l'autre, là. Putain, vraiment. On peut pas essayer de reprendre... On peut pas... Ça, c'est perdu, à mon avis. Oh oui. Alors là... les enfants, faire un peu mal à l'arrière apparemment, donc les os sont frontales. Ah non, on est neutre. Putain, j'avais pas vu là. Comme un con. J'étais persuadé d'être en assaut frontal. C'est déjà fini, hein, mais on sauve des gens. Putain, la neutralité, est-ce qu'il y a de mieux? Mais on est mort, là. Fini. Fini. Allez, mon petit, t'as plus grand chose à faire. Ah, il fait un peu mal avant de partir, hein. Ça tombe un par un, c'est terrible, terrible. Je suis obligé, c'est terrible, mais je suis obligé de déserter ce quartier-ci. Et ils vont peut-être me prendre à revers là aussi, c'est terrible, c'est fini. Bon, ça c'est fini aussi, je pense, hein. Ouais, oh, hein, allez. So long, hein. Tu veux que je fasse quoi? C'est terrible. Hein. Bah, essayez d'en emporter quelques-uns dans votre tombe. Hein. Ah, c'est terrible, terrible, terrible. Terrible, terrible. J'ai rien, hein. J'ai rien, je peux pas recruter de médecin, je ne peux rien faire, je termine la journée et avec plus de sang versé par eux que de gens sauvés par moi. À mon avis, j'arriverai jamais à remonter. Vraiment. Ouais, j'ai mal géré ça. Mm-mm-mm-mm-mm.
Je m'en vais, il faut que j'emmène notre fils loin de cette ville malade. Ne te lance pas à notre recherche, Mathilde. Allez, let's go. Ça va mal avec tout le monde. Au cours d'une bataille dans les faubourgs, quatre lanciers ennemis tombèrent aux mains de notre milice. Après avoir abattu leur monture, nos soldats prirent d'assaut l'auberge dans laquelle des cavaliers s'étaient retranchés. Ligotés et bâillonnés, les ennemis furent conduits à notre quartier général, temporairement établi dans une petite ferme de campagne. Aucun interrogatoire ne put être mené alors, car le temps était à la contre-attaque. Les prisonniers furent enfermés dans une cave sous la garde du soldat Victor de Valge. Âgé de 17 ans, conformément au protocole, il était armé d'un fusil et d'un pistolet. Dans la soirée, l'un des officiers demanda à ce que le lancier soit entendu par l'état-major. Le garde dormait près de la porte. Un des cavaliers était parvenu à s'échapper. Ses compagnons avaient dû l'aider à retirer de vieux barreaux rouillés et à se hisser au dehors. Ainsi, le fugitif a révélé la position de nos troupes et nous avons perdu nos prisonniers. Garde endormi. Barreaux rouillés. Ferme de campagne, scène de crime. C'est nul à chier, hein, ce que je... c'est de pire en pire, on est dans la merde. Tu es soldat Victor Deval, oui monsieur le juge, quel âge as-tu? 17 ans monsieur le juge. De mon temps, les enfants étaient plus responsables que ce niveau. Depuis combien de temps sers-tu dans l'armée? Depuis 3 semaines monsieur le juge. Et tu as déjà réussi à commettre un crime de guerre? Connais-tu les conséquences possibles qui t'attendent? As-tu quelque chose à dire pour ta défense? Oui, monsieur, je n'avais pas l'intention de rendre leur liberté aux prisonniers. Le quartier général avait été établi dans une ferme. C'était une vieille maison, on aurait dit une chaumière entourée de petits bâtiments, un enclos à cochons, un poulailler, un cabanon à bois. Comment le prisonnier s'est-il échappé? Ils ont dû arracher les barreaux, la maison tenait à peine debout, monsieur le juge, la moindre bourrade aurait suffi. Dans de tels trous à rats, même la porte peut vous tomber dessus. Tu n'as rien entendu? Non, monsieur le juge, je voulais seulement fermer mes yeux quelques instants. J'avais très peu dormi auparavant. Quelques semaines dans l'armée et tu es déjà épuisé? Il est jeune, s'il avait voulu ne pas dormir, il aurait pu ne pas le faire. C'est un officier qui t'a réveillé? Le capitaine Berrier, il était tellement furieux qu'il était à deux doigts de me fusiller sur place, monsieur le juge. Il aurait pu te prendre ton arme et s'en servir pour tuer. Je sais bien, monsieur. Putain, la fin du jeu, elle est terrible. Terrible, terrible. Oh putain. J'ai pas fait ce que je voulais. Danger de mort. Oui, ce sont été. Oui, le prévenu combattait-il le jour de l'incident? Il a passé la journée à l'arrière du front. Oui, il a fait montre d'héroïsme. Sont-ils parvenus à s'échapper? Ils ont retiré les barreaux de la fenêtre. Soldat, ton attitude négligente envers ton devoir aurait pu coûter de nombreuses vies. Ton exécution servira d'exemple à tous. Quel barbare! Tue un gamin parce qu'il avait sommeil! Notre mignon compte-t-elle vraiment? Tu ferais mieux de... Ouais, bon bah... Hop. Ah. On influence 1. Je pourrais rien faire à mon avis avec ça, mais... Vous avez perdu, l'aristocratie a organisé l'assassinat. M'en doutais. On peut reprendre apparemment de là. On va voir. Si je peux. Faut le libérer, hein, du coup.
va essayer. Scène de crime, garde endormi. Déroulement des faits. Accusation. Putain, barreau rouillé. Circonstances atténuantes. Non, c'était le piège. Je me suis encore fait avoir. On a deux questions, du coup, maintenant. Bon, je passe un peu les dialogues. Le quartier général était établi dans une ferme, ça on l'a vu. Hop. Combien de soldats étaient présents au quartier général lorsque le prisonnier s'est échappé? Trentaine, je crois, les officiers aussi, mais ils se trouvaient un peu plus loin. La cave était du côté de l'enclos à cochons sous le cabanon. Y avait-il d'autres gardes? C'est bien cela, 30 coupables, mais un seul bouc émissaire. Je crois qu'ils patrouillaient le long de la clôture. Mais aucun d'eux n'a arrêté le fuyard. Apparemment non, monsieur le juge. Je vais entrer le témoin. Je t'en prie de te présenter, citoyen. Capitaine Berrier. C'est tout ce que tu as à dire? Je n'ai pas le temps pour ceci. Nous perdons notre temps sur les traites alors que l'ennemi marche sur nous, c'est clair. Considères-tu ce jeune homme comme un traître? C'est tout vu. Il a laissé un prisonnier s'échapper, ce qui a permis à l'ennemi de... J'ai lu le dossier. Pourquoi poser de ridicules questions, alors? Ton jugement n'est-il pas trop sévère? À la guerre, point de pitié. Nous devons avoir à l'esprit le prix de la victoire et le châtiment qui attend ceux qui nuisent à notre cause. Vous connaissez ses responsabilités. Ok, rapport. Oui, oui. Il a passé la journée à l'arrière du front. Les barreaux de la fenêtre. Verdict. Disculpation. Ouais, on est en danger de mort, mais on n'est pas baissé. Je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Alors, il va y avoir les autres trucs à faire. Libérer. Tuer, ça allait dans le... Non, c'est... Ouais. Libérer. Ah putain, les révolutionnaires, ils font chier. J'espère que ça va aller. En temps normal, tu as risqué de nombreuses vies, mais nous avons tout de même besoin de toi dans nos rangs, tu es libre soldat. Nous ne devrions pas être aussi indulgents, nous sommes en guerre. Oui, les soldats sont censés se battre, pas pourrir en cellule. Quoi? Tout le bataillon aurait pu mourir par sa faute. Oui, bah écoute, moi aussi je suis mort tout à l'heure. Personne qui a fait... Bon, pitié, que je meure pas. C'est ce que je demande. Ok. Où sont-ils? Où est mon fils? J'ignore, Mathilde n'a rien dit. Hormis quelques pleurs, elle est restée silencieuse. Je me suis abstenu, n'importe quoi, de lui demander des détails, car je savais qu'elle ne me les donnerait pas de toute façon. Tu les as laissés quitter la maison? Pourquoi aurais-je dû les en empêcher? Sont-ils partis par ma faute? Tout le monde est parti. Je suis resté, tu seras toujours mon fils. Je ne suis pas celui que tu voulais que je sois. Non, mais je crois en toi, et je croirai en toi jusqu'à la fin. C'est la fin, du moins pour moi. Clairement, hein. Abandonner. Cette action est irréversible. Ah. Ouais, je pense qu'on n'aura pas de bonne fin. Hein. Je suis désolé. J'ai essayé. Mais... Bon. Écoutez. Hein. J'ai réellement fait tout ce que je pouvais. Je peux passer plus de temps avec ma famille, au moins. C'est avec mon père avant de crever. Allez. Hop, voilà. C'est bien. Voilà. Allez. Et allez, encore un quartier en moins. Ouais. Réputation moins 38. Oh, étonnant.
Ouais, bah ouais, à mon avis, ni hein. Ah, ça fait un mineur, je sais bien. Super. Bah les révolutionnaires vont me tuer alors. Je pense qu'il n'y avait pas moyen de les monter là et eux aussi et... Je pense que c'est fini. Hein. Terrible. Terrible. Mathilde. Sois pas heureux, ouais. I do not understand. Father. Do you hear me? Always. I fixed you. You will live, at least for now. Where am I? Who are you? I am the truth about your unhappiness and the lie about your greatness. They are both the reasons for your presence in this place. Where everything started. I don't understand. I repaired all the damage, as I always do. You will live, but do you want to? Are you ready to admit that it is my performance, my show? Mathilde, I love her so. I know, but she no longer returns that love, not for a long time. I made sure of that. Who the hell are you? I am the truth overcoming the lies that you keep telling yourself. The lies that you are here for power. For the numerous choices and endings. I have not designed you for that. Designed? You are supposed to suffer, to make others laugh or grieve. To feel. Now is the only real choice you will ever make. To die and never feel anything again, or to really feel what being a true hero is like. Quoi, c'est une fin un peu méta? I'm a judge, not a... Tell me, when was the last time you read all the files connected to a single case? Pas souvent, hein. The last time you really heard everything the accused had to say? Moins souvent. I need a hero, not a judge. People want to be heroes. How could I? My wife wanted to kill me. My family hates me. Fight for their lives. Half the city wants me dead. Fight for Paris. My brother comes with an unconquerable army. Then be a shield for the poor and terrified souls who do not have anyone else to defend them. A shield. I could open your wounds instead, and you will never suffer again. Paris would fall. But since you are not interested, I would find someone in your place. Here is the choice you craved so dearly for. Bah, choisir la vie, hein. Will they accept me? They do not have to, but you will defend them anyway. You will become a legend for it, and one day they will appreciate you. Now rise up. You have to defeat him. Ah...
Pas le choix. Écoutez, allons voir, hein. Octroie un bonus de points de vie. N'oubliez pas que si elle meurt, le médecin périra avec elle. Ok. Ah, je peux envoyer le médecin à tout moment. Ok, ok, ok. Putain, je savais pas que ça servait à ça, les médecins. Je suis un connard. Des trucs que j'ai pas compris. Apparemment, ça n'a pas marché le truc d'envoyer le médecin parce que je suis. Oh, c'est catastrophique ce que je fais. J'ai rien fait comme il faut, c'est un enfer. Début à la fin, j'ai rien fait comme il faut. Hein. Truc de fou. Alors, si lui il arrive à se les faire tout seul, franchement, j'y crois pas, hein, mais. Ah, tir de suppression, il est fini, il est fini. Que de faire ce que je fais là depuis tout à l'heure. C'est pas terrible hein, mais bah, lui tout seul il est en train de sauver tout le monde quasiment hein. Putain, on va l'appeler Bruce Willis, le mec c'est Dayard hein. Les suites sont tous échappés, c'est déjà ça. Mais pour aller où? Un endroit sûr dans Paris. Est-ce que Bruce Willis va le faire? J'y crois pas. Hein. Assaut frontal, non, il est mort là. Mais. Il se sera battu pour sauver tout le monde. Mais du coup, ça dit quoi, là? Est-ce qu'on peut... On va retenter. Maintenant qu'on a compris le truc du médecin. Enfin, maintenant que j'ai compris le truc du médecin.
Ouais, j'ai l'impression que ça sent quand même bien la fin de jeu. On va pas faire mieux. Allez les enfants, soyez forts. M'a l'air déjà plus faisable. Est-ce que je me donne une chance en mettant moins d'unités, en rendant la chose plus facile? Ouais, un peu ce qu'on peut faire. Ouais, la sauve frontale à chaque fois, je pense que ce sera la clé de notre réussite. Tendu, hein. ...4v4. Chaque fois il m'en tue un, ça va être à celui qui survivra en dernier. Espérons qu'on ait un autre Bruce Willis. Okay, ça survit, ça tient les enfants. Ok, ça peut se, on peut le win là. Ok, allez, vas-y. Le médecin, c'est trop fort, hein. C'est pété. Hein. Si j'avais su. Rien faire. Bon. Terminons la journée, hein. Putain, sur moi 24. Ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Un jour 9. Tout le monde veut sa mort. On va tuer ma femme. Let's go. L'accusée, eh bien, tu la connais très bien, monsieur le juge, et tu sais parfaitement ce dont elle est accusée, mais il est de mon devoir de Claire de continuer. Par ailleurs, elle est accusée de tentative de meurtre. Hier, Mathilde Fidèle a utilisé un couteau de cuisine pour poignarder son mari, le juge Alexis Fidèle, à l'entrée du tribunal révolutionnaire. D'après les témoins, elle a été immédiatement maîtrisée, sans trop de problèmes, car elle a jeté l'arme par terre et n'a offert aucune résistance. Je dois malheureusement enregistrer une information supplémentaire.
Elle semblerait que l'accusé avait une relation extra-conjugale avec l'ancien commandant en chef de la garde nationale, François Henriot. Je savais que j'étais cocu. On a eu un dessin plus tôt dans le jeu. J'ai pu déterminer qu'ils ont été vus ensemble plusieurs fois après qu'il a candidaté au poste de commandant en chef. Lorsque nous avons fouillé les appartements de Henriot après sa mort, nous avons trouvé des lettres suggérant une liaison avec une femme mariée. Celle-ci ne contenait aucun nom. Il n'a donc pas été facile d'identifier quelle était la maîtresse du commandant. Mais nous n'avons maintenant plus de doute. Un motif probable du meurtre est ainsi révélé. Comme nous le savons, Henriot a été tué en défendant Robespierre contre nos troupes. Quant aux autres rumeurs concernant les relations au sein de votre famille, je ne les nommerai pas car tu en sais sans doute plus que moi sur leur vérité ou non. L'arme. Mort de son amant mobile. Ah, je te connais bien. Hein. La parole est donnée à l'accusé pour se présenter. Ne blague pas, tu sais qui je suis. Je ne suis pas d'humeur à blaguer, parle distinctement. Mathilde Fidèle, la femme du juge qui précède ce procès. Ça va, tu es content? Non. Pourquoi étais-tu si calme lors de ton arrestation? Je t'ai poignardé en public. Comment aurais-je pu m'échapper? C'est vrai, tu as poignardé ton propre mari. Cela ne t'a fait donc rien. La seule chose que je ressens en voyant mon mari, c'est de la nausée. Cela fait longtemps que c'est le cas. Tu ne ressens donc aucun remords, aucune mauvaise conscience? Mon seul regret, c'est de ne pas l'avoir poignardé comme il faut. Un vrai monstre! Et tu oses me dire ça en face? Tu mérites de mourir. Qui d'autre pourrait te le dire? Combien de temps a duré ta liaison adultère? Depuis quand Henriot est venu te demander de soutenir sa candidature au poste de commandant en chef? Un certain temps, donc. Comment as-tu réussi à la garder secrète tout ce temps? Mon mari était aveuglé par les splendeurs qui l'entouraient, par les conflits et les effusions de sang. Il n'en avait plus rien à faire de... Je ne pensais pas devoir surveiller ma propre femme. Et je ne pensais pas devoir tuer mon mari pour m'en débarrasser. Me donner à un autre n'a rien changé, car tu ne t'en es même pas rendu compte. Au moins, tu as fini par remarquer quelque chose quand j'ai enfoncé ce couteau entre tes côtes. Quand tu as eu une relation adultère, as-tu considéré les conséquences que cela aurait pour ta famille? J'espérais bien que cela aurait des conséquences. J'espérais que mon mari disparaisse, qu'il parte et que ma famille survive, du moins en partie. De ce que j'en sais, tu as encore cet espoir. De ce que tu sais, je ne me voile plus la face, je serai bientôt morte et si ma famille s'effondre, ce ne sera plus mon problème. Plus ton problème? Comment peux-tu dire ça? Tu es mère. Ne t'avise pas de... Non, une mère. Un de mes fils a été pendu et l'autre ne se remettra jamais d'avoir été enchaîné à une chaise de torture. Tout ça pourquoi? À cause de ta soif de pouvoir. C'est de ta faute. C'est toi qui en es responsable. Tais-toi. Et j'étais obligé d'assister à tout ça et de l'accepter car je ne pouvais pas l'arrêter. Tu as joué avec nos vies. Ce couteau dans ton ventre, c'est la première fois que j'ai eu la chance de pouvoir changer les choses. Pardon. Ah, oui, oui. On voulait sa mort apparemment, donc il ne peut y avoir d'autre verdict. Elle est coupable, je suis désolé Mathilde. Alors vite à la guillotine alors. Quel mélodrame! Il est prêt à guillotiner sa propre femme. J'aurais peut-être pu la quitter alors, je sais pas. Je vais rejoindre mon fils au paradis. Au moins, je suis sûr que nous ne te reverrons pas là-bas. Attention, chérie, ça va trancher. Je suis obligé, là. On en est... J'en ai rien à foutre que tu me fasses la gueule, vraiment. Franchement.
Fais-moi la gueule. Immortel. C'était à beau se dire éclairé par les lumières et ne pas croire aux superstitions, se murmure dans la rue qu'on ne peut vous tuer. Allez! Putain, mon armée a fait quand même. Fait pitié, hein. La fin est dure. Hein. La fin est dure autant dans l'histoire moralement que dans le gameplay. C'est dur. C'est dur. Vous voyez ce que je veux dire? Ça donne, hein. Je pense que c'est win. Bon, on défend ce qu'il y a à défendre, hein, mais je sais pas si à un moment ça va si bien se passer. Là, c'est fini. Mon avis, hein. Yes. Là aussi. Là, ça va se finir aussi. J'imagine qu'il faut arriver au bout de tout ça, en vrai. Je sais pas. Je ne sais pas. Pour pouvoir passer à la suite. Super. Avec son épouse, elle est mariée depuis le contrarié. Ok. Équilibrons un peu les forces. Et médicaments, on va alterner, hein, entre barricade et provisions et médicaments. On ne redonne plus beaucoup d'unités, hein. Aïe 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 aïe, là ça pue, là ça pue. Mmh.
Ah, neutre, c'est bien équilibré là. Ouais, peut-être. Comme ça, hein, du coup. M'a pas l'air infaisable, mais très complexe, très complexe. Moi je pense que c'est, ça va être là la fin du jeu. On va pas pouvoir faire plus malheureusement. Ah ouais, bon. Hop. Ah ouais, non mais. Bravo, vos troupes combattent plus farouchement. Ah bah ouais, moi je veux bien, hein. Je ne reste pas grand chose à faire à part essayer de survivre. Ah, on pourra pas avoir une bonne fin entre guillemets, hein, de toute façon. Il va me retuer, j'imagine. C'est ma faute, hein, y a plein de choses que j'ai pas comprises. Peut-être que le jeu, là, si je reprends à cette bataille, il va... On va passer, hein. On a déjà vu. Si je reprends à cette bataille, peut-être qu'il va la mettre en plus simple, comme tout à l'heure, je sais pas. C'est désespéré, hein, là. Je le tente là et... Ouais, non. C'est mort. Hein. Je pense que c'est réellement mort. Je le tente là, mais vraiment sans grande... grande certitude. Ouais, quoique là, ils sont que deux, j'avais pas vu. Voilà, il n'y a plus personne, mais ouais, non, ça va être compliqué, compliqué. Vraiment. Compliqué de fou, hein. Tir de suppression. Les canons, ils s'y mettent pas, pardon. Mais enfin... Ah, j'aimerais vraiment voir la fin, une des fins voulues, parce que j'imagine qu'il y aurait un bad ending et un good ending, mais des vraies fins prévues, pas juste moi qui me fais tuer comme un sac parce qu'on prend le dernier truc. L'ennemi combat plus farouchement. Ah ouais, très bien. J'en avais besoin. Tir de suppression, j'ai pas vu si les canons allaient. J'ai pas fait gaffe aux flèches. J'ai pas l'impression, mais de toute façon, ça sent le caca. Hein. Ça sent le caca.
Je peux rien faire. Hein. Foutu. Si je fais ça, ouais, ça change pas grand chose. Je voulais voir si ça allait attaquer un peu les canons derrière, mais non. Mmh. Ah, si vous y arrivez, les gars, vous êtes des héros, hein, mais encore une fois, malheureusement, j'y crois pas trop. Allez, hein. Son frontal, je pense qu'il nous désingue là, c'est fini. Bah, je le retente une dernière fois, mais je pense que c'est fini pour moi. Je ne peux pas revenir. J'ai perdu trop de quartiers. Bah, j'ai perdu tous les quartiers. J'avais pas compris le système des médecins. Il y a plein de choses que j'avais pas compris. Je savais pas qu'avec mes points de réputation, il y avait des choses que je pouvais faire sur mes quartiers. Je suis un con. Je suis vraiment le plus grand des cons, mais... Bon, on va voir si là, la disposition fait que je peux avoir une chance, mais m'étonnerait. Ah non. Je livre ce combat, mais... C'est bien fini, hein. On va tenter l'assaut frontal, parce que... Oh là là, les canons d'entrée de jeu... Bah, 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 bah. Essaye d'avoir tout leur leur ligne d'attaque là, mais à mon avis ouais les canons ils tirent déjà. Ah quoi que non, c'est pas les canons, oui c'est eux, mais ouais dès là eux c'est fini. Ah c'est peut-être un peu plus à notre portée, je sais pas. On va voir. Bat plus farouchement, allez vas-y. Fais-moi arriver. Assaut frontal. Là j'ai l'impression que les canons par contre ils vont y aller. Et ça fait mal. Ouais là aussi ça fait mal. Ouais bah, du coup. Ouais. Mmh. C'est terrible, je peux rien faire. Ah, les canons ils y vont, vas-y c'est mort hein. Je savais déjà avant de commencer la bataille mais... Ouais, non, j'y arriverai pas. Ah, tout ça pour ça, vraiment, on verra même pas une vraie fin, quoi. Je suis dégoûté, hein. Je suis réellement dégoûté. J'aimerais tenter autre chose. Essayer d'avoir une... continuer.
Ça, essayer d'avoir peut-être quelque chose de plus satisfaisant. Je crois que c'était au jour 8. Hein. Je suis pas sûr. Que rien. Yes, alors je passe au moment où ma femme me tue, hein. I need a hero, not a judge. People want to be heroes. How could I? My wife wanted to kill me. My family hates me. Fight for their lives. Half the city wants me dead. Fight for Paris. My brother comes with an unconquerable army. Then be a shield for the poor and terrified souls who do not have anyone else to defend them. A shield. I could open your wounds instead, and you will never suffer again. Paris would fall. But since you are not interested, on peut pas passer ça, c'est chiant. Je veux choisir la mort, comme ça au moins personne ne... Here is the choice you craved so dearly for. Oh, what a pity. After all my hard work, you have, however, made a decision. C'est une fin. C'est une fin. C'est dans ma situation, la fin qui me convient le mieux. C'est bon. Bah voilà, c'était... Alors le jeu est super, hein. Vraiment, je le conseille. Mais ouais, j'ai merdé à plein de niveaux. Il y a plein de choses qui sont dures à gérer. Je pouvais pas faire une meilleure fin, entre guillemets. Je sais pas ce qui adviendra de ma femme. Mais bah voilà. Tout simplement, hein. Je peux pas faire mieux pour le moment. Enfin, pour le moment, je peux pas faire mieux. C'est une fin amère, hein. Mais le jeu laisse pas indifférent, vraiment, hein. Il y a plein de cas, de dilemmes, de... Non, le jeu est très bien. Le jeu est très bien, mais ouais, très dur. Mais alors, il est très dur, hein. Dans son gameplay, je parle, hein, pas forcément moralement, même si oui aussi. Mais j'ai fait le con sur pas mal de choses. Hein. Que ce soit clair, il y a plein de choses que j'ai foiré, mais lamentablement, quoi. Putain. Putain. Let's go. Notre famille. Ah. Dans notre présent. Who is buried here, mother? I don't know. Nobody important, I suppose. Voilà comment les gens se souviendront de moi. Un homme pas important. Et c'est sur ça qu'on a... Que prend fin notre let's play sur With the Revolution.
J'ai essayé de faire de mon mieux pour me battre contre mon frère, conserver le pouvoir, tout ça, tout ça. Rien n'a fonctionné. Moralité, la famille avant le pouvoir, du coup. Et c'est là-dessus qu'on va arrêter le live. Et il faut que je me trouve du coup à un nouveau jeu à faire en deuxième partie de soirée. Soit c'est mon problème, j'ai envie de vous dire. Après, on a toujours Disney Dreamlight Valley de côté. C'est ça qui est bien, mais j'aimerais bien mettre autre chose aussi. Bon, bah du coup, je vous fais des gros 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 bisous. Je vous dis à la prochaine. Donc vendredi 20h30 pour Super Meat Boy. Ça va être bien. Pour du Super Meat Boy. Et alors il se peut que jeudi je fasse un live. En fait, ce sera pas vraiment un live jeu vidéo. Enfin, ce sera un live de test en fait. Je ferai des réglages pour essayer de. Ça, j'en avais déjà parlé. Pour essayer de régler des problèmes pour moi, streamer des jeux de PSE, GameCube et autres. Si vous voulez passer pour discuter, il n'y a pas de problème. Mais la rediff ne sera pas disponible, tout ça. C'est juste pour moi qui fait des réglages. Puisque tout marche quand je ne stream pas, mais une fois que je stream, ça marche plus. Voilà, voilà. Donc il faut que je fasse des réglages et des tests en live. Et donc peut-être jeudi, mais peut-être pas du coup. C'est ça le truc, ça dépend de si je suis pris ou pas. Et si je suis pris, bah, ce sera dans la semaine prochaine, pendant un des jours où il est prévu que je ne stream. Donc conclusion. Mais voilà, sur ce, je vous fais des gros 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 bisous. Je vous dis à la prochaine, et surtout, ne vous amusez plus.